Sardoche, je te dis aussi. Je vais en vocal avec Sardoche maintenant. Je vais en vocal avec Sardoche maintenant. On va parler du buffering. Les gars, c'est pas possible, j'y crois pas. J'y crois pas, les gars, j'y crois pas. Non, 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 les gars, j'y crois pas. Non, j'y crois pas, les gars. Non, 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 les gars, non, non, les gars, non, les gars. Ok, attends, 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 ok. Dark Souls buffering. Is the input buffer in Soulstone? Oh merde. Moi, alors, les gars, moi, je vais vous dire pourquoi. Attends, attends, je vais vous expliquer immédiatement avant pourquoi moi je pense que c'est une énorme connerie. Je pense que les devs, ils ont. Paf, ils ont pas fait exprès, les gars. En fait, c'est de la merde de te punir deux fois, les gars, si je spam un bouton, ok? Écoutez-moi, les gars. Genre, regardez, je spam le bouton esquive, d'accord? Je me fais frapper parce que j'esquive mal, j'ai esquivé au mauvais moment. Le boss me frappe, mon perso tombe par terre. Mon perso se relève et qu'est-ce qu'il fait? Je touche à aucune touche, mon perso fait une roulade. C'est de la merde! Buffering ou ce que tu veux, c'est de la merde! Ça donne le vocal? Vas-y. On va où? On va où? Comment je fais pour vocal? Twitch devrait avoir un vocal. Ça, ce serait le next gen, tu sais. D'avoir Twitch. Moi les gars, y a plein. Les gars, c'est de chez moi, on est très similaires, les gars. Et sachez-le, on est très similaires sur le fonctionnement de tryhard, etc. Moi je suis sur mon Discord, mais je sais pas si là, je vais le DM sur Twitter. Mais les gars, en fait, genre League of Legends. Vas-y, je vais envoyer mon Discord, on verra. Eh les gars, je vais le tuer, les gars, si c'est vrai. C'est le buffering, c'est pas possible. I get the idea behind input buffer. To not lose input if you hit the button too early. But I think Soulstone's game have too long buffer. What do you think? Frérot, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gars, si je me trompe, c'est encore pire. Les gars, si je me trompe et que c'est intentionnel, c'est encore pire, les gars. C'est encore pire, les gars. Mais attendez, les gars, vous GBT'ez là, non? Vous GBT'ez de malade? Les gars, vous GBT'ez? Je vais dire 9h du soir, mais... Attends, merde. Continue vers Discord. Pourquoi ça me l'a pas... Merde, il est où? Putain, ça a ajouté son Discord, mais je sais pas où, en fait. Ah oui, merde, attends. Sardoche arrive, Discord. Je suis un humain. Mettez-lui les droits. Mais ça marche pas ou quoi? SVP. Putain, j'ai trop de Discord. Faut que je quitte tous les Discord dans lesquels je suis. Ça me fait trop cool. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Quoi pour, c'est exactement la même. La même. Ton Discord. Ah, faut ajouter une réaction. Oh, il est. Oh okay. Oh, il est fort. Vas-y, hein. En même temps, il est intellectuellement supérieur. Je peux pas. On peut pas le nier, les gars. Ah, son icône de Discord, c'est un gif. T'as vu, elle est stylée. Ah, elle est jaloux. Rouladine, salut à toi. Merci de jouer à ce jeu. Continue, Rouladine, mec. J'arrêterai jamais les roulettes. Ok, là. Et salut à toi! Yo, ça va ou quoi, mec? Tranquille, toi? Eh, ça va, vas-y, on peut parler vite fait, mec, parce que hier, gros, y a un mec qui m'a parlé d'un truc, frérot, j'ai pété un câble, ok? Et là, si j'ai tort, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Mais non, t'inquiète. Il m'a parlé du buffering, frérot. Et je te jure, j'ai trigger de malade. Alors, tu vois, quand tu fais une roulade et que le boss, il te frappe et que ta roulade, elle est pas passée. Ton perso il se relève, il fait la roulade juste après, c'est trop énervant de malade.
Ouais, bah c'est pour ça que, en fait, généralement, t'as des attaques, t'as des combos de boss qui font deux coups. Et la deuxième attaque est trigger pour que quand tu réagis à l'attaque en retard et que ta roulade part pas, tu te prennes le premier coup et le deuxième après avoir roulade et tu te fais catch roll, tu vois. Et c'est fait exprès en fait. C'est fait exprès? Ouais, en fait, là, le timing entre les premières et les deuxièmes attaques dans les combos de boss, généralement, sont faits exprès pour que si tu fais ta première roulade et que tu la foires parce que tu l'as lancée trop tard et qu'elle s'est pas lancée, la deuxième attaque soit faite pour te toucher à la sortie de ta roulade que tu fais en buffer, ouais. Donc c'est ça qui te baise dans plein de boss et Mais attends, donc t'es en train de me dire c'est la double baise. Genre tu te fais Oui, en fait, baiser dis-toi une fois et... ouais, ça, en fait, mais en fait, dis-toi que quand tu vois ce genre de pattern, il faut accepter que quand tu prends la première attaque et que tu n'as pas réussi à la dodge, t'appuies sur rien pour rouler de la deuxième attaque, en fait, tu vois. Et il y a des boss dans Dark Souls qui sont comme ça, et mec, je les ai en horreur parce que j'ai un build où je me fais two shot, mais pas one shot, et du coup, bah, le seul moyen que j'ai de mourir, c'est de me faire two shot par ce combo, tu vois. Donc en fait, quand je buffer ma roulade sur la première attaque, bah, c'est là où je perds. Attends, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas le son du tout? Vous n'avez pas le son du tout, les gars? Mais pourquoi tu me dingues alors? Ouais, excuse-moi, excuse-moi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc là, moi je peux rien faire. C'est pas un bug, c'est pas un bug, c'est ça dans tous les Dark Souls. Ah oui, c'est le principe de l'inertie, ouais. C'est tu dois être précis. Si t'appuies sur un input, faut que ce soit. Dis-toi, si tu regardes ma manette quand je tape, j'appuie une fois à chaque fois sur R1, je spamme pas comme un débile, tu vois. Je sais que pendant que j'attaque, si je rappuie sur R1, après mon attaque, il y en a une autre qui va partir, tu vois. J'ai pas besoin d'appuyer trois fois, tu vois ce que je veux dire? Non Il y mais a en fait c'est un frérot. système de buffering qui est du quasiment une seconde et demie, en fait. Enfin, en fait, sur toutes tes actions, si t'appuies sur une touche, ça la met en queue pour la prochaine. Moi on m'a dit que c'était un bug. C'est pas un bug, c'est le jeu. C'est fait exprès depuis Demon's Souls, en fait. Ça fait 15 ans là. Mais c'est Et c'est ce qui fait horrible. la difficulté du jeu, c'est que du coup, tu dois être sûr de toi. Ouais parce Tu que moi perds je ton spam cerveau roulade comme un pour. malade mental hein. Bah non, mais c'est ça en fait. En fait, faut accepter de se faire toucher des fois et être méthodique pour comment est-ce que tu vas gérer la prochaine attaque, tu vois. Et mec, Et c'est ça qui. Et comment t'as battu le boss dans le château de... Tu sais, genre t'as une goule plus un chevalier dans un château là, dans la zone rouge. J'ai peut-être pas fait, hein. Je vais te dire, si tu l'as fait, c'est Chimère Léonine. Ah. Attends, Et... Chimère Léonine, c'est au bout du château, c'est sur la plage. Juste Château rouge, c'est avant ça? la plage, avant la plage. Mais c'est sur la plage du château. Et Chevalier du Ah Creuset. non. Ah non, je l'ai pas fait, mec. Je l'ai pas fait. Tu l'as pas Apparemment, je fait? l'ai pas fait. Non, je sais pas Mec, pourquoi. j'aurais vraiment voulu que tu le fasses pour que tu me dises ton ressenti là-dessus. Parce que le Ok. Chevalier, frérot, le Chevalier du Creuset, tu regarderas, mec. Parce qu'en fait, toi, t'as suivi la quête. Moi, j'ai pas suivi la quête. Du coup, j'ai un boss en plus, je crois. Et Ah merde. le Chevalier du Creuset, frérot, il est littéralement impossible. Genre, j'ai vraiment, mec, j'ai tryhard de malade 2 heures dessus. T'as vu ma barre de vie, donc t'inquiète, Mais genre qu'est-ce que c'est? Oui, mais j'ai le pu problème, tanker. oui, mais ta barre de vie, une fois que t'as plus de potions. Bah oui, Ouais, bon. mais bon. Et je te jure, mec, il te laisse pas un seul moment pour le frapper. Où tu peux. Ouais, où t'as des safe spots, ouais. Mais on est d'accord que pour l'instant, le boss qui est le plus comme ça, qui m'a pété les couilles, c'est le premier boss du jeu, Margit. Il n'y a que deux fenêtres de hit en P2. C'est ridicule. Alors qu'il a 15 attaques, tu vois. Il y a des boss Non, comme je suis ça. pas d'accord. Ah, Après, t'as pire? je l'ai fait pendant 9 heures celui-là. Donc tu vois quand tu me critiques d'avoir fait le dragon, t'inquiète pas, j'ai eu mon expérience Dark Souls sur le Dark Souls Non, mais 1 t'inquiète. remastered sur les gargouilles là, j'en ai eu pour 7 heures je Mec, crois. alors, oh, les gargouilles, mon pote, tu vas en bouffer, oh là là! Ah ils ont remis les gargouilles là. J'ai passé 4 heures sur un duo de gargouilles, mec, j'ai halluciné de la difficulté. J'ai jamais eu en fait aussi dur dans le jeu pour l'instant. Ah Je te le souhaite. j'ai hâte alors de tomber dessus. C'est un 1v2, mais indécent. Indécent. Tu vas craquer, en fait. Surtout que même avec ta barre de vie, je te spoil pas, mais si tu te fais toucher, t'es mort, quoi. Tu vois? Donc bon, Moi quoi. avec ma barre de vie? Ah oui, mais avec ta barre de vie, si tu te fais toucher, t'es mort. Mais avec ma barre de vie, genre ma barre de vie de Ouais, boss. oui, mais tu vas comprendre pourquoi, en fait. Ok, C'est ok, bon. ok. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais mettre une barre de vie qui fait la taille de mon écran. Ah, mais ça change rien. Tu veux que je te dise ou pas? Pourquoi? Parce que c'est pourcentage? Non, c'est un poison, en fait. Oh. Mais en fait, tu te fais empoisonner. Et si tu joues mal, tu te fais empoisonner, en fait. Et si tu te fais empoisonner, le fight, il est cancer as fuck.
C'est dur, quoi. Et mais après, j'ai vu que t'avais pris de la magie, toi, pour te désempoisonner. Ouais, mais après ce fight, j'ai. Après. Ah bah, Je et savais moi je vais pas la... qu'est-ce qu'on allait voir moi avant. je t'ai vu faire, du coup je vais prendre la magie pour me Ouais, bah, désapprécier. non, mais c'est... Ouais, mais fais-le, ouais. Mais en fait, t'es obligé de prendre un truc pour enlever les états de poison parce qu'il y a une zone où elle t'empoisonne forcément et. Bah, c'est pas possible, en fait, de faire la zone si tu te vires pas le poison, tu vois. Ok. Bon bah Donc, les ouais, et gargouilles, je c'est vais les faire en 10 minutes quoi. Je l'ai ramassé ce truc-là, ça s'appelle Feu Purifie-moi, si tu veux trouver l'item. C'est un sort. Moi je veux ton Ça me collier, demande. je veux ton talisman que t'as trouvé tout à l'heure là aussi là. De vie, là? Ah ouais, celui qui donne vie, endurance et quoi d'autre? Tu sais, tu Ouais, prends notre grande 5%. bière. Ouais, c'est dans le fort. Le fort. Tu sais, Farfaroche? on est d'accord? T'as un demi-médaillon pour l'ascenseur. Ça Ouais. te dit un truc ou pas? Ouais, je l'ai. Je Bon, l'ai. bah, lis la description du médaillon, il te dira où je trouvais le Mais deuxième. j'ai regardé ton stream, mec. C'est bon, Bah voilà, je mais vais aller du là. coup, ouais, tu l'as ce fort et tu l'as. Ouais. Mais tu veux que j'aille à ton boss ou. Mais j'ai l'impression que je peux pas le tuer. C'est un truc de quête que j'ai pas fait? En fait, tu sais, quand tu rentres dans le château. Attends, je vais essayer de donner le nom. Ah, mais parce que moi, j'ai parlé au mec. C'est ça, toi, t'as J'ai parlé au parlé à la mec, meuf. toi. J'ai Moi, parlé à je. la meuf. Et du coup, je suis allé parler au mec en haut du château. Et du coup, quand tu parles pas à la meuf, il se passe un truc. C'est ça, t'as, quand tu parles pas à la meuf, parce que moi, t'as vu, moi, je vais tout droit. Ouais. T'as effectivement un boss, un double boss. Ils arrivent à deux, en décalé. Ah merde, mais attends, mais what the Et fuck? vraiment, c'est un chevalier, frérot. Il te laisse zéro fenêtre. Tu n'as pas de fenêtre. Château du Lion Rouge, c'est ça? Le château en bas à droite, dans la zone rouge. Oh mec. Il m'a dit au feu en bas direct. Attends, je vais te dire si je le vois, hein, mais ça m'étonne. Non, non, c'est sûr, tu l'as pas. C'est sûr, tu l'as pas. Ah merde. Après, on m'a dit, apparemment, il se parie, mais bon, moi, je vais pas trop Ouais, parier. c'est exactement là où t'es. C'est là où tu cours, là. Putain, et ils sont censés être là? Ouais, il est censé être là, ouais. Et du coup, là, je vais rater un boss parce que j'ai fait une quête. Ouais. C'est débile, non? Enfin, je sais pas. Et t'as tué des PNJ ou pas? Bah, non. Pourquoi? je suis le seul mec à avoir tué des PNJ, j'ai l'impression. Ah, c'est une punition, genre quand t'as tué des PNJ, c'est Non, non, ça? non, 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 c'était une autre question. Mais tu sais que il y a un PNJ, frérot, il te donne une Ah hallebarde si, de plus il 8. y en a un, je l'ai fait tomber d'un château, mec. Je l'ai fait tomber d'un toit sans faire exprès. Je lui parlais, j'ai mis un coup et C'était il est qui? tombé. Je sais pas, un mec sur un toit. D'un Et j'en ai château? tué un seul. Ouais, C'était un mec d'un assis sur un château. banc et qui disait qu'il protégeait la. Qu'il était là pour me protéger? Non, je crois pas. Parce que Merci. lui, tu le butes, frérot, hallebarde plus 8. Ok. Bah, j'ai chopé une hallebarde. Moi, sur le premier, le cheval au début. Je l'utilise d'ailleurs là. Mais elle était améliorée ou pas? Bah, non, mais je l'ai monté. Mais ouais, Bah je vois, ouais, tu peux la le remonter. fait de looter un truc plus 8, frérot, c'est OP de malade. Ouais, bah oui, tu peux. Mais du coup, je pense que d'ailleurs, en speedrun, ça va être ça. Hein. Et Parce que tu ouais. sais que le premier speedrun de l'histoire de Dark Souls, la route c'était de tuer un PNJ dans les 10 premières minutes du jeu pour récupérer son épée et jouer avec. Jusqu'à la fin quasiment. Ah ouais. Du coup, je pense que ça va être la même dans le ring, je pense. Ah mec, là c'est sûr, c'est la hallebarde plus 8, elle est Ouais. trop vénère, mec. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais mec, je l'ai pas ton boss, ça me fait trop chier. Non, tu l'as pas, mais il faut pas que tu parles à la Putain. meuf. Quand tu recommenceras, tu parleras pas à la meuf. Et tu vas direct ici, et je te jure, hey, mec, tu me diras. Parce que honnêtement, j'ai dû invoquer ces deux archers et faire tourner le chevalier Ouais. tout le temps quand les archers lui tirent dessus et lui tapaient dans le dos. Parce que sinon, je n'avais pas une seule fenêtre. Vraiment. J'aurais pu te montrer. Parce qu'il y a toujours des fenêtres, mais des fois c'est une attaque. Et des fois il y a des fenêtres, mais tu peux pas les avoir si tu joues en lock. Ça c'est un truc vraiment, il faut connaître. Mais tu vois par exemple, bon j'ai pas d'exemple là, mais tu vois moi je peux délock un boss et courir derrière lui en ligne droite, tu vois. Je sais pas Mais si je tu vois suis ce que je veux passé dire. en clavier. Alors justement, je suis passé en clavier souris parce que mec, tu sais, genre, j'ai l'impression que je manque de contrôle moi. À cause Ok. de ce lock et tout, tu vois. Du coup, maintenant, ça fait quoi? Ça fait deux sessions maintenant que je commence à lock et délock, tu vois. Mais c'est vrai que le lock, frérot, contre les gros trucs, les énormes trucs et tout, c'est Ah l'enfer. oui. Bah en fait tu dois lock et taper par exemple les pieds des dragons et des trucs comme ça, si tu lock c'est fini. Tu peux pas taper en fait. Ah ouais? Donc tu vas vouloir délock pour taper et ton but c'est de mettre la caméra vers les points qui donnent les informations sur quelle attaque il est en train de faire, tu Comme vois. si tu visais quoi. Ouais voilà. Ok. Et d'ailleurs un truc débile mais tu vois imagine t'es devant un ennemi, ok? C'est un dragon, il a sa tête au-dessus de toi, ok? Ouais. Et ben si tu tapes en, si tu tapes si tu mets ta caméra dans la direction de la tête
ou sur la direction du ciel, tu auras plus de chances de taper la tête si tu mets vers le ciel. Ouais, ça c'est. En fait, le haut-bas, ça change un truc à la hitbox de ton hit. Il va partir un peu plus haut, un peu plus bas. Ouais, ça je sais, parce que tu sais, pour tuer les rats, il faut vraiment que tu mettes ta caméra basse, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc en fait, c'est important de suivre aussi verticalement la hitbox que tu veux taper, tu vois. Ouais. Ouais, t'as d'autres conseils pour des noobs comme moi ou pas? Ben moi je te dis la technique de des fois des locks et en fait quand tu locks un ennemi tu peux pas lui courir directement dessus un peu sur la droite. Parce que t'es plus lent quand tu locks, non? Ouais exact. En fait ouais. Tu mets plus de temps à te mettre à courir. Alors qu'en délock, en délock tu vas pouvoir faire des trajectoires qui sont pas circulaires par rapport au boss. Donc en fait tu peux couper et passer directement sous son bras par exemple. Pour esquiver, je sais pas, une hallebarde qui passerait au-dessus de ta tête ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est quoi la meilleure arme du jeu là pour toi? Alors là, j'en ai aucune idée. En fait, je vais tout tester. Mais en fait, ça dépend de ton build. En SL1, j'ai une petite idée. C'est-à-dire, si t'as aucune stat, je pense qu'il y a des armes assez fortes, mais. Ah, je dirais, franchement, les armes saignement sont quand même sacrément fortes. Donc, ouais. Ouais, c'est ce que je joue actuellement. Je joue katana saignement, moi. Moi, j'ai chopé un putain de katana, je sais pas si tu l'as. Ah non, c'est sûr que tu l'as pas. J'ai non. Chopé un katana, mec, une dinguerie. C'est River of Blood? Non, c'est le katana d'un boss que tu tues plus tard. Mais tu l'auras plus tard, mais il a un ratio B de base. C'est en dex? Ouais. Mais le problème, c'est que c'est une arme légendaire. C'est une arme légendaire, donc tu peux pas mettre une... En fait, tu dois le booster avec des forges sombres, mais tu peux pas mettre deux runes pour mettre acéré, tu vois. Non, je comprends pas. Attends, en fait, tu sais que quand tu mets une rune... Les runes de guerre. Ouais. Tu peux changer les cendres de guerre là, c'est ça les... Non, les runes, ouais, c'est les runes de guerre. Oh. Ok, ouais. Tu peux changer les ratios des armes. Et du coup, ça fait passer le ratio dex de B à A. Et du coup, le nombre de dégâts que tu vas gagner grâce à ta dextérité, il va être plus élevé, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Bah, en fait, sur les armes de boss, tu peux pas. Attends, apparemment, je peux avoir ton boss si je parle à un PNJ. Vas-y, ah, vas-y. C'est la meuf. Eh, franchement, attends, mec, vas-y, fais-le là. Bah avec plaisir, mais attends. Ah ouais, s'il te plaît, mec. J'ai vraiment... Bon, tout à l'heure, je t'avoue, j'étais déçu. Je te voyais mourir contre des rats et tout, mais bon. Ouais, mais je suis pas très bon contre les mobs. Moi, j'ai plus envie de me balader. En fait, tu sais, contre les mobs, quand tu te balades comme ça, le mieux, c'est d'avoir un bouclier et d'avancer avec le bouclier, tu vois. Mais toi, t'en penses quoi des joueurs boucliers? Bah, c'est bien, les boucliers, mais... Le problème, c'est que des fois, les boss, ils sont designés pour être tués qu'au bouclier. Et par exemple, tu vois, un boss comme Sullivan dans Dark Souls 3, qui est légendaire. Je sais pas si tu connais. Non. Bah en fait, tu vois aucune de ses attaques si tu pars. Parce qu'en fait, tu pars à la première attaque de tous ses combos. Et du coup, c'est un peu stupide, tu vois. Et t'en penses quoi des magiciens là qui jouent à ce jeu? Bon, ça, c'est des gros fils de putain. Y'a pas de. Non, y'a pas de. Toi. On me dit qu'on parlait à Gaël, mais je vois pas. Mais où Gaël? Mais non, mais en fait. Attends. Tu sais, t'as la semi-magie dans celui-là, non? Tu sais, avec les armes corps à corps magiques, non? Ah oui. Non, mais en vrai, notre rôle. Le jeu, je le trouve trop difficile. Je te jure, honnêtement. Même moi, j'étais choqué. D'habitude, je te dis, je me fixe des défis, je fais des trucs et tout. Et là, j'ai déjà du mal en jouant en full opti, tu vois. Du coup, je pense que si les gens veulent enjoyer le jeu un petit peu, se balader, faire la quête et tout. Ah, c'est pour ça que vous me dites Gaël, il ressemble à Gaël, putain. Et honnêtement, mais tu sais, ouais, t'es un peu obligé de l'imaginer. Mais tu sais, t'as des. Tout ce que tu gagnes dans ce jeu, j'ai l'impression que c'est que pour les magiciens, frérot. Tout. Ouais, c'est vraiment grave. Ça, mec, ça m'énerve de malade. Ouais, mais ça dépend les zones, mais. Mais putain, ils me disent de parler à un PNJ, mais ça a rien fait. Mais attends, mais est-ce que je peux l'avoir ton fight? Putain, je crois pas, mec. Hein. Vas-y. La tour. Mais. Bah, vas-y, hein, tu sais quoi, je vais essayer de le trouver, puis si je le trouve, je te dis. Hein. Vas-y, vas-y, tranquille, essaye, et puis. Parce que mec, moi, là, je te dis, celui-là, il est vraiment, vraiment, mec. En fait, genre, moi, je l'ai trouvé. Quoi? Avec la strat, t'as réussi à l'avoir, du coup? Ah, je l'ai baisé en 1h45. Et après, j'ai switché de manette à clavier-souris aussi, donc ça m'a coûté beaucoup de travail. Mais clavier-souris, je sais pas. Moi, je préfère manette, je te dis honnêtement. En fait, dis-toi que les joueurs qui sont clavier-souris... Non, mais t'es clos grip, frérot. Bah, moi, j'ai des palettes, oui, c'est pareil. Ah oui, non, impossible. Ah, mais ouais, avec les palettes, tu peux clo... Enfin, c'est comme en clo-rip, hein.
Ouais, ça me saoule quand même, frérot. Ça me saoule quand même. Tu sais, genre invoquer ma monture, frérot, faire Y et aller sur un autre bouton, tu sais, passer dans les sous-menus et tout, c'est horrible. Et je comprends pas pourquoi il y a pas ça dans les touches config, quoi, de clavier. Quoi. Mais invoquer la monture, tu fais avec quoi? Tu sais, je reste appuyé sur Y, ce qui est triangle pour toi, et puis après j'appuie sur moi, droite. Croix. Moi, j'ai mis croix pour ça. Beaucoup plus. Mais toi, c'est la potion, toi. Non, non, mais croix, c'est le truc pour faire ce que tu viens de dire. En fait, croix, c'est triangle. Enfin, mon triangle, ah, c'est croix, ouais, ok. Mon truc pour courir, j'ai pas mis rond, j'ai mis carré, du coup mon clos il est plus détendu, j'ai pas le doigt qui est plié. Et ma touche pour changer la caméra c'est L2. Et le truc pour parer c'est triangle justement. J'ai un peu tout changé mais je trouve ça mieux. Parer. Ah. Donc attaque spéciale quand t'es en ambidex c'est triangle. Ouais c'est ça. Okay. Du coup ouais j'ai les attaques spéciales c'est triangle. Attends apparemment mes viewers ils sont en mode là je me TP au feu et je vais pouvoir me... Oh mec y'a le boss t'as raison. Oh mais ça part. Vas-y, s'il te plaît. Je live commentaire en plein live là, je m'en fous. Mais là, y'en a qu'un là. Y'en a qu'un et l'autre il arrive quand lui tu lui enlèves 20%. Désolé pour le spoil. Il met des bons dégâts. Ok, déjà il met des bons dégâts. Ah mec, je pense que tu vas mettre du temps, c'est la vérité. Lui il craint beaucoup ses diamants aussi, si je ne m'abuse. Tu me dis si t'as envie que j'arrête de spoil. Oh non, t'inquiète. Okay. Mais de toute façon, ça se voit qu'il craint ses diamants, il est cher. Soit il le craint pas, soit il le craint en fait, tu vois. Ouais, déjà faut comprendre les patterns, mais. Et c'est le deuxième boss comme ça, t'as pas fait l'autre boss comme ça alors. Non, je fais beaucoup trop de dégâts, mec. Non, mais je te jure. Bah là, je l'ai tué donc c'est un problème du coup. Non, y'a aucun problème, lui il est facile. Okay. Y'a rien. Là maintenant t'as 6 potions pour lui, je te jure t'es tight. Mais bon courage. Okay. Bah attends. Hein. Alors là, sur sa première phase, t'as beaucoup d'opportunités de le frapper. Mais après, okay, une fois que tu as enlevé 25% et qu'il déploie ses ailes, frérot, bon courage. Oh, tu me spoil qu'il déploie ses ailes. Attends, c'est normalement le deuxième PNJ que t'affrontes. Mais du coup, tu me déçois, t'as mal exploré le château. Non, je sais. Si tu le one shot, frérot, je t'offre sans sub. Sérieux? Ouais. Attends, je vais me heal du coup. Ah, mais je connais! Je l'ai déjà battu! Mais oui, tu connais. Ah oui, il fait du feu devant lui et tout? Non. Ah non, mais c'est pas lui alors. Mais même genre, c'est même genre. Ok, là maintenant, bon courage, ah. Frérot, bon courage. Ok. Si le one shot, les gars, il m'humilie en plein live. Genre, je suis rien à faire. J'ai pas de fenêtre là. Ah ouais, putain. J'aurais dû rouler à frame 1 direct. Ah, j'ai peur parce que là, le problème c'est que si je me heal. Quand tu te heal, il charge à l'avant. Pourquoi je t'aide? De toute façon, je me heal. Non, mais je veux dire, c'est pas par rapport à ça, c'est que si je me heal. Ah, la queue, c'est terrible. Ouais, c'est ce qui te touche tout le temps en fait. Mais tu perds moins d'HP que moi quand je me fais frapper, je comprends pas. Ton armure est meilleure, je crois. Ouais. Il va le one shot, c'est sûr. Je suis baisé. Ouais, la charge, terrible. En fait, faut vraiment se heal juste après la charge, justement. Oh la range! Oh! 2? Ok. Ah, je connaissais pas ça. Ah, l'ego il va prendre un coup, les gars. Il est troll. Oh non. Oh la range! Mais c'est fini là, j'ai perdu. Ah, je peux pas gagner. T'as vu, c'est les potions, frérot. Les potions, ouais. Il en faut tellement pour ce boss, mec. Non, mais j'ai troll, j'ai mal joué. Mec, franchement, c'était pour découvrir. Non, mais c'est bon, franchement, y a pas mal de fenêtres. Hein. Tu trolls un peu. Hein. Vraiment? Mais oui, je comprends. Non, mec, toutes les fenêtres, t'as l'impression que tu te fais taper.
Tu te fais punir à chaque fois. Non, mais en fait, c'est juste que. Tu vois là, en fait, c'est après le coup de queue qu'il faut taper. C'est toujours après le coup de queue. En fait, si tu tapes, en fait, faut attendre le coup de queue et tant pis, quoi. Mais ouais, je vois, non, mais je comprends, il est dur, mais. Enfin, tu vois, si tu dashines après la deuxième queue, en fait, tu vois, quand tu fais les deux queues, toi, tu devais peut-être roll out. Mais si tu fais roll in, je pense que tu peux Mec, taper, toi. j'ai jamais calculé quand il faisait des queues, frérot, je te jure. Et lui, il te graille tellement de potions en plus, lui, tu vois, il t'en Ouais, prend c'est une ou vrai deux, qu'il est. lui. Ah, il est casse-couille. Faut le bourrer comme un débile en fait. C'est ce que j'ai fait. Oh là Faut là, vraiment mais le bourrer comme un tu débile. fais giga mal, mec, quand même. Ouais, je t'avoue que là, j'étais pas censé le faire maintenant, je pense, le Tu coup. fais Peut-être avant. giga mal, frérot. Je vais essayer de le jouer agressif pour que tu Après, vois. je suis plus haut Mais niveau que il est toi, pas. frérot. Je Tu suis vois, là, je pouvais sens. mettre un coup. T'as vu? Non, mais au début, c'est bon. Au Là, début, je je peux mettre un l'ai. coup. Au début, je Ah l'ai. oui, c'est vrai. Il a pas sa queue Ouais, au j'avoue. début. Ah, c'est vrai qu'il a pas la queue. Putain, mais d'où il a une queue déjà? Ouais. T'as ça toi ou pas? Ouais, je Ah l'ai. merde, Le putain, la potion. Non, bouclier? mais la potion avec le shield, ouais. J'ai C'est pas le shield vraiment OP. Hein. encore. J'ai pas le shield. Je sais pas où il est. Quelle horreur. Toi là, j'ai parole, t'as vu ou pas? Là, c'était l'exemple. Je savais que j'avais parole à temps, donc j'ai préféré me prendre l'attaque normale et rouler à de l'attaque suivante. Mais Et toi, là, c'était typiquement un combo de catch roll, t'as vu? tu mets toujours le parapide en attaque spéciale? Non, mais là c'est pour le plaisir, j'aime bien. C'est un peu nerveux. D'ailleurs, il a Ouais. plus de frames de vulnérabilité. Ah bon? C'est 15 au lieu de 13, ou 14 au lieu de 12. C'est écrit où ça? Je sais pas. On me l'a dit. Ah Mais je sais que sur Dark Souls, c'est comme ça et. C'est la même. Mais sur Dark Souls, il y a un truc avec le pas vif qui est horrible. C'est que quand tu le fais, il y a un moment où t'es invulnérable et il y a un moment où t'es plus vulnérable. ok. T'as vu, j'ai mis un coup into une roulade, j'aurais pu reroulade, mais j'avais pas vu que c'était deux attaques. Bah ça c'est ce qu'il fait tout le temps, c'est ce que je te dis. Ouais, mais là je le sais pas, mais maintenant je le sais, tu vois. Non mais. Oui, je roulade direct, tu vois. Mais comment tu Même fais, là. même si tu le sais, regarde, quand tu frappes, bah il le fait quand même en fait. Genre, même si je le sais, je. J'ai pas compris. T'as jamais mieux même si je suis full life. Mais ce que je veux dire, c'est que là, regarde, après la charge, tu fais un coup et tu roulades instant. Tu vois, et là j'ai mis un coup. Et Ok. là, je peux remettre un coup et rouler direct. Mais après, là, je t'avoue, j'ai grid là, parce que Mais j'étais je mal pense placé. que tu tapes aussi plus vite que moi là. Oui. Tes Wolverines là, ils tapent plus vite que moi. Et moi, je les ai vendus les Wolverines, je peux pas les récupérer. Ah merde, pourquoi? Je les ai vendus parce Tu vois que la j'ai. rouladine, et là, je vais. Hop! Voilà. Tu l'as Bon, tout désolé, shot, mais enfoiré. j'avais trop de dégâts, j'avais trop de dégâts. Mais. Non, non, mec, je suis plus haut niveau que toi, frérot. Je suis niveau 105. Y'a pas d'excuse. Y'a pas d'excuse sur toi. Non, après, en vrai. Il m'a manqué de respect. Je suis désolé. Oh merde. Il l'a fait en 10 minutes alors que j'ai passé 2 heures de ma vie à trahir ce connard. Et Moi, à je veux te croire. voir quand t'es. Par contre, envoie-moi un message quand t'es sur Radahn, Fléau Désastre, et quand t'es sur les deux gargouilles. Je veux voir ça. Ok. Et je te donnerai des conseils parce que tu vas en chier ta mère et je pense que très peu de streamers qui font les Let's Play de Chill, ils vont y arriver. Ok. Ça va être Mais horrible. c'est genre, Horrible. c'est vraiment les boss les plus durs, Gargouille et Oh Radahn. mec, pour l'instant, ouais, les deux gargouilles et Et Radahn, alors les gargouilles, je te garantis que je vais en chier parce qu'ils sont deux. Et moi, j'aime pas quand les je vais. Non, gens. mais J'aime mec, pas fighter mais deux c'est même mecs. pas. Mais c'est même pas, ils sont deux. C'est honteux, mec. Je n'ai jamais vu un fight pareil dans toute ma vie. Ils font des. Déjà, ils te font laguer ton PC, ce qui est pas normal, tu vois. Parce qu'ils invoquent des poisons de merde qui prennent tout l'écran et ça fait des lignes sur toute la map. Non, mais mec, laisse tomber. Et ça va te faire quoi quand je vais mettre environ genre 10-20 minutes à tuer Radahn? Bah, en vrai, Radahn, je sais pas. Hein. Je sais pas comment ça marche. Parce que tu vas. En fait, tu vas invoquer et tout, mais je sais pas si. Bref, ouais, non, je sais pas, on verra. Est-ce que tu penses, parce que j'ai déjà vu, j'ai vu ton fight là, tu sais, où tu fais un Ouais. no-hit là, et World First, je crois, ça. Ouais. Et c'est ce fight là où tu peux invoquer plein de petits noobs là. Ouais, en fait, tu croises, tu sais, je passe sur des gros faisceaux lumineux, tu peux invoquer des gens, ouais. Mais en fait, Et ils si sont un j'invoque peu que des bizarres. gens et je me cache et que je les laisse fighter pour moi? Mais en fait, c'est ce que j'ai essayé. Dis-toi que c'est ce que j'ai essayé de faire, mec. Je voulais le tuer normalement, tu vois. En fait, je voulais le tuer normalement, mais j'étais fatigué, du coup, j'arrivais pas à jouer. Et le lendemain, j'étais en mode, vas-y, mais putain, je suis enfant, je vais lui baiser sa mère. Et je me suis dit, je vais le no-hit et j'ai passé 7 heures dessus. Mais en vrai, les mobs, ils font de la merde, ils font 10 dégâts. Et au bout d'un moment, ils sont tous morts.
Alors tu peux les réinvoquer une fois. Ouais, une seule fois? Mais je crois il y a un truc comme ça, ou alors c'est une durée, mais j'ai pas compris. Mais en vrai, ouais. En fait, faut que tu tapes pendant que les mobs sont dans le fight. En fait, faut que les mobs, pendant qu'ils prennent l'aggro, tu bourres le boss. Et Toi, comme t'as pas mal de... pendant ton no hit, t'as invoqué ou t'as pas invoqué? Non, j'ai pas invoqué, Ah justement. ouais, t'es un... Parce qu'en Ah fait, ouais, tu sais pourquoi? Non, Giga mais en fait, Chad. je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, non, mais je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'invoquais, comme il focusait des ennemis, enfin, il focusait mes mates, et il switchait de target au hasard, Ah ouais, ça modifiait l'angle des attaques tout le temps. ouais, c'est Donc en comme fait, quand quand je tu sors faisais les un chiens, ouais. combo, ouais, quand tu esquivais un combo, en fait, je pouvais pas savoir si la deuxième attaque allait partir à droite ou à gauche, parce qu'il regardait jamais même endroit, donc ça me rendait ouf. Ok. Mais toi, comme t'as de la vie, quand tu vas invoquer les mobs, tu vas pouvoir le bourrer dans son dos, et de temps en temps, tu vas prendre un dégât parce qu'il va se retourner, il va faire une dinguerie, mais tu mourras pas, donc en fait, tu vas Parce pouvoir que lui mec, casser très moi j'ai facilement double les deux. katana avec le saignement, frérot, je vais le tuer, mec. Ouais, je pense Je que tu vas vais le le tuer, tuer, je vraiment. te le dis. Ouais, je pense que tu vas le tuer super vite, ouais. Mais par contre, les gargouilles, c'est... Tu sais, dès qu'ils sont deux, pour moi, c'est un Non problème. mais en plus les gargouilles ont 3 fois plus de vie que Radahn. Ah Donc bon? vraiment, ah oui non, c'est une horreur. Dis-toi que comme, bah en fait, comme t'as du saignement, déjà les gargouilles, tu vas pas leur saigner, elles vont pas saigner. Donc moi tu vois, je joue avec les griffes. Bah les gargouilles, je les ai tuées avec un fléau. Je mettais des coups toutes les... Je mettais un coup par un coup au fléau. Parce que c'est ma seule arme contondante qui est montée. J'en ai pas d'autre. Ok. Ok, bah Donc... je te dirai, ouais, si tu pourrais me donner des conseils ou me coacher vite fait, Non mec, ce serait n'importe cool. quel. Mais dis-toi que, en fait, moi j'expliquais aux gens que c'est même pas un concours de beat de dire je suis meilleur ou pas. C'est juste que c'est comme si demain il y a un MOBA qui sort, il y a un mec qui est tchal, bah tout le monde se met au MOBA. Les débutants qui ont jamais joué à un MOBA, ils vont être nuls. Et les mecs qui sont tchal sur les autres MOBA, ils vont être tchal sur le jeu, tu vois. Et le truc c'est que les gens ils savent pas, j'ai 2000 heures sur Dark Souls. Donc c'est comme si j'avais. Enfin, en Non fait, c'est mais pas possible. t'inquiète, moi je comprends ça, mais t'inquiète, mais après ce que les viewers ils comprennent pas, c'est que tu vois, c'est sur les quand un autre streamer commence le jeu que forcément t'as torché, et dans le chat c'est Eh Sardoche, il est top world et toi t'es une grosse merde. Tu Ouais, sais, mais c'est c'est des débiles. Non, mais le plus chiant, c'est quand ils te demandent de faire le jeu d'une autre façon parce qu'ils ont vu quelqu'un faire comme ça, tu vois. Oui. Moi, ça me fait rire parce que je me dis. Après, c'est pas n'importe qui, tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui, bien sûr. si t'es dans le top, forcément, tu vois, bah, les gens vont s'inspirer de ton gameplay, s'inspirer de ce que Ouais, t'as mais fait, des etc. fois, c'est un playstyle qui est mauvais, tu vois. Par exemple, là, il y a plein de gens qui croient que les griffes, c'est OP alors que c'est un item de merde. C'est l'item qui a le moins de range du jeu et c'est un truc nul. C'est bien parce que moi je m'amuse avec et tout, mais faut Je surtout pas suis jouer ça, tu vois, pas là, dans un premier temps. je sais, je suis vraiment pas d'accord avec le fait que ce soit OP, c'est vraiment de la merde, hein, les Ah oui, griffes. parce que ça a pas de range en fait. Ouais. En fait, ce qui est important dans le jeu, c'est la range. Déjà, quand t'explores, avoir. Moi, je pense que le meilleur item pour faire un let's play, je veux te dire, c'est la lance. Parce que tu sais, La quand hallebarde, t'as les là. ennemis, les trash mobs, ouais, une hallebarde ou un Ouais, pic, ça stun tout le temps quand tu tapes. quand t'as les ennemis alignés, déjà, tu peux en tuer 3 à la fois. Et t'as toujours plus de range que tous les trash mobs, donc tu prends très peu de dégâts quand t'explores. Et surtout, bah, t'as très peu de chances de rater tes attaques, tu vois. Ok. C'est pour ça, moi, j'ai une hallebarde. Mais tu sais que là, j'ai mis tous mes niveaux dans l'endurance pour Fais pouvoir voir porter 1 tes milliard stats, d'items. là. Fais voir tes stats. Là, je te montre mes stats. Attends, mais là, j'ai 32 vigueur parce que j'ai ma braise. Bon, bref. Là, c'est pas bon. En fait, j'ai 25 en vigueur, 20 en endurance. Ah, mais attends, Mais je sais pas t'as comment fait je un vais build faire pour. quality là, non? En fait, Pourquoi t'as j'ai 38 en 25 en force et vigueur. 45 en dex? J'ai 32 en force et 40 en dex. Mais là, c'est la rune qui m'a donné 5 partout. Ah mais je vais la mettre direct celle-là. Hein. Mais Mais pourquoi t'as pourquoi il y a décidé de ça qui monter s'active force avec et Dark Souls? dex? Bah, parce que j'ai rien d'autre à monter, là, je me fais chier. Je veux pas monter un tel ésotérisme. En fait, j'ai monté endurance à 25. Mon but, c'était de pouvoir Moi porter j'ai tous mes items pour le temps. 54 en dex. Ah, bah c'est bien. Et 22 en force. Bah, moi, j'ai monté la force parce que regarde, j'ai un ratio force sur l'hallebarde. En fait, je t'explique. La dex et la force, dès que tu dépasses 30 et dès que tu dépasses 40, t'as des soft cap et des hard cap, je sais pas si tu vois ce que c'est. Si, ouais, on m'a vite fait parler, ouais. Bah en gros, pour chaque point de force, tu vas gagner un point de dégâts, puis 0,5, puis 0,25. En fait, il te faudra de plus en plus de points dans la stat pour que ça te donne vraiment un dégât sur Et ton c'est arme. 99 le max. Je sais pas, mais ouais. Mais de toute façon, c'est Du coup, exponentiel au je vais prendre quelques dragons des viewers, moi, je pense, là. endurance. Mais en fait, le truc, c'est ce que j'explique aux viewers, c'est que quand t'es niveau 80 et quand t'es niveau 120, ça t'a coûté des millions d'âmes en plus, mais t'as quasiment les mêmes stats. Ouais. Si t'as le même nombre d'HP, en fait. Si, on va Non, dire, mais les mecs qui ont le j'ai même gagné, HP. Mec, entre niveau 31 et niveau 105, j'ai gagné quoi? À peine 10% en Ouais, t'as puissance et en gagné peut-être globalité. ouais, 30, t'as gagné peut-être 30% de dégâts. Allez.
30% de dégâts quand même. Ouais, je pense que tu gagnes 20-25% de dégâts. Ah non, quand même, c'est conséquent. Le truc, c'est comme la barre de vie, elle augmente linéairement. C'est-à-dire que si tu doubles le nombre de points de vie, t'as deux fois plus de points de vie. Alors que si tu triples tes points de dex, t'as genre 20% de dégâts en plus sur ton arme. Ouais, ouais, parce que t'as les sorts. C'est pour ça que la vie, c'est super fort sur les sols et que t'as envie de prendre de la vie quand tu fais un let's play et que tu veux découvrir, quoi. Ah, mon but, c'est d'avoir une barre de vie qui fait deux fois mon écran, frérot. Non, mais je t'avoue que moi, ça me tilt parce que déjà, quand je me heal, ça me remet pas full life. Ça me fait péter un plomb. Et t'as tous les trucs, t'as tous les trucs de purification là ou je sais pas quoi. Je sais pas, je suis en plus 6 sur la potion. Plus 6? Ok. Je sais pas, on peut être à combien? T'es à plus 5 non? J'en sais rien et j'ai. Je crois que je me suis fait spoil les potions, je crois que c'est 16 ou. 16 potions, je crois, le maximum. Je sais pas, on verra. Hein. Mais ça fait beaucoup de graines. Hein. Ouais. Eh, hey, le buffering, frérot, j'ai du mal à le digérer, je t'avoue. J'ai vraiment du mal à digérer. Mais c'est ce qui fait le plaisir du jeu, parce que... Tu vois, t'as joué à Sekiro ou pas? Non. Bah, Sekiro, dis-toi, tu peux attaquer et défendre en même temps. C'est-à-dire que si pendant que t'attaques, tu te rends compte que l'ennemi, il va t'attaquer, tu peux cancel ton attaque et dash en même temps. Pour, tu sais, tu peux... Donc c'est plus facile, Sekiro? Bah, 1000 fois plus simple, parce qu'en fait, tu peux bourrer comme un débile. Donc en fait, tu fais R1 on CD. Et dès que tu vois que l'ennemi t'attaque, tu fais parade ou roulade. Et donc en fait, tu peux. T'es jamais. En fait, tu te commites jamais quand t'attaques. Tu vois? Ok. Alors que dans Dark Souls, quand t'attaques, tu vois? Tu fais rien d'autre. Quand tu roulades, tu fais rien d'autre. Donc le jeu, il te force à choisir. Non, mais moi ce que j'aime pas, c'est la double peine, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est mérité, mec. Non, c'est pas mérité. J'ai déjà fait la roulade. C'est bon. J'ai compris. J'ai pas besoin de me reprendre une tarte après et de pas contrôler mon putain de personnage. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est trop. Mais ça, c'est une attaque. Ces attaques-là, ça s'appelle des catch rolls, tu vois. Et en PVP, il y a un peu cette mécanique aussi où. Non, mais me parle pas de PVP. T'as essayé le PVP là? Non, moi, j'aime pas le PVP. Non, mais essaye le PVP juste une fois, frérot. Tu vas crier. Mec, pourquoi ça pite? Ah bah non, mais les serveurs, frérot, c'est fini. Genre, ils tiennent pas. Ah, mais... Tu tapes, tu vois les dégâts s'afficher genre 3 secondes après. Ah, ok, bon, je testerai peut-être, mais bah quand ça sera stable. Mais en gros, tu vois, en PVP par exemple, tu vas attaquer avec attaque puissante, et le gars il va croire que tu lances ton attaque, il va roulade, et tu vas relâcher l'attaque puissante au moment où le mec il a fini sa roulade, tu vois. Eh, comme un boss, quoi. Comme un boss, c'est ça. Ouais. Et en fait, dis-toi qu'il y a certaines attaques de boss, je te spoil un truc. Ils ont une posture, tu vois. C'est-à-dire qu'ils tiennent leur arme d'une façon. Ouais. Et en fait, ils peuvent la tenir autant de temps qu'ils veulent de cette façon. Et c'est toi qui va. C'est ta roulade qui va faire décider qu'ils lancent l'attaque, tu vois. Ouais, ça. Alors, ça, je savais pas, mais je sais que par exemple, quand tu bois des potions, il y a un peu ce même système-là, tu vois. Genre, le boss, ouais, il attend. Quand tu bois une potion. Ouais, mais le boss fait rien. Et quand tu bois la potion, il va se mettre à faire une attaque particulière. Ouais, il va prendre le somme, ouais. Mais là, je te parle carrément pendant une attaque. Ouais. Le boss, il peut faire durer l'attaque plus longtemps, tant que tu fais rien. Et en fait, ce qui va trigger que l'attaque se lance, c'est soit une durée maximale. Ah, ok. Et du coup, tu dois rien faire. Tu dois rien faire jusqu'au bout, quoi. Exactement. Soit tu roulades et il va forcément lancer l'attaque pour que ça t'attrape à la sortie de ta roulade. Soit tu te rapproches assez de lui pour qu'il la lance automatiquement. En fait, tu vois, faut te dire que le jeu, il est codé. C'est pas parce que le jeu est lent et il y a une inertie que derrière, il n'y a pas une dinguerie en termes de programmation. Mec, genre le buffering, je te jure. Mais d'un côté, c'est stylé le buffering. Non, 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 je suis désolé, non. Non, frérot, non. Mec, je fais une roulade, ok? Je fail, le boss m'enlève 70% de ma vie. Pourquoi est-ce que quand je me relève, je ne contrôle pas ma manette, je touche à aucun bouton, mon débile continue à faire une roulade? Pourquoi? C'est trop. Et après, le boss du coup me tue, et après je retourne à la case départ. Est-ce que le jeu te punit d'avoir paniqué pendant que t'as pris le coup en spammant roulade? Mais j'ai déjà pris un coup! J'ai chié, j'ai paniqué, j'ai chié, c'est bon, j'ai pris un coup, putain, m'en mets pas... Là où le buffering est terrible, c'est quand tu fais un coup, et tu spammes R1, ça fait une deuxième attaque, alors qu'en fait t'étais pas safe sur la deuxième attaque, tu vois. Ah bah oui, c'est ça. Ouais, ça aussi, ouais. Bah, mais c'est là aussi le buffering, il est mortel. Ouais, c'est parce vrai. Que c'est pour ça qu'en fait, chaque fois que tu... C'est un bon genre de Dark Souls, tu vas le voir appuyer autant de fois sur R1 qu'il va faire d'attaque, tu vois. Et c'est ça, c'est là où tu reconnais un bon genre. Ouais, mais vous êtes des psychopathes, les joueurs. Les joueurs Dark Souls, ouais. Vous êtes des psychopathes. Voilà. Mais je te jure que ça va venir, hein. Mais il faut maintenant que t'as une barre de vie comme ça, mec, faut pas que t'aies peur de prendre des dégâts, tu vois. Ah, t'inquiète pas, j'ai pas peur. En fait, de toute façon, ton perso il va au sol. Moi, tu sais, des fois je reste au sol pendant 3 secondes, je me relève pas tout de suite,
En attendant de me relever en esquivant l'attaque, tu vois. Mais le premier boss, tu vois le tout premier boss là. Quand t'étais au... Ouais, quand t'es au sol, il t'encule. Ouais. Ouais. Oui, bah oui, il délai. Donc en fait, tu te fais punir. Si tu te relèves instant, il te casse. Non, 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 même quand t'es au sol, il t'encule. Ah. En phase 2. Ah oui, 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 il y a un truc. Ah oui, dans le jeu, j'étais choqué. Ouais. Ouais, ouais, quand t'es au sol, dans le jeu, tu peux prendre des dégâts. Alors que d'habitude, t'es invulnérable. Ouais. Mais bah, pour te relever, t'es obligé de roulade. Donc si tu roulades au mauvais timing, tu peux te faire catch roll, tu vois. Ok, ok. Ok, bref, ok. Jeu de fou. Ok, bah merci des conseils, frérot. Et puis. Vas-y, 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 et dès que j'attaque les gargouilles, je t'envoie un DM. Mais Radan, je pense que tu vas le fumer, parce qu'effectivement, ouais, tu vas le tuer trop. Non, Radan, je te dis, frérot, je pense qu'en 10-30 minutes, il est mort. Ah, il fait pas assez mal, ouais, tu vas le tuer super vite. Je vais mettre un truc de saignement sur les gargouilles, mon pote. Oh, les gargouilles, je vais venir voir ça. Et est-ce que tu mets des trucs sur tes armes, genre tu les imbibes de trucs ou, tu sais, non, rien? Non, parce que je me dis, quitte à faire ça, autant avoir 10 levels de plus sur la Dex, tu vois. Et enfin, dans ton inventaire, tu utilises rien du tout, on est d'accord? Genre tu jettes pas de potions, tu jettes pas de trucs bizarres, là? Mec, tu... j'ai découvert qu'on pouvait crafter des items hier soir, voilà, ça te va ou pas? Vraiment, ouais. Non mais attends, je te dis, non mais c'est pas j'ai découvert, c'est j'ai parlé au PNJ qui donne la sacoche hier. Je okay. Lui ai jamais parlé, en fait. Mais par contre, non, il y a un truc que je fais là récemment. Alors, ces petits tips. T'as des pierres arc-en-ciel dans le jeu. Ouais. Ça sert et, quoi moi, je les... Ben, en fait, je les utilise pour les lancer quand je suis pas sûr de mourir d'une chute. Tu sais, des fois, tu sais pas si tu peux mourir, si tu sautes ou si tu meurs ou pas. Ouais. Et en fait, quand les pierres arc-en-ciel, tu les lances, si elles explosent au sol, c'est que tu serais mort. Et si elles affichent une petite lumière, c'est que tu peux sauter. Mais ça sert à ça? Voilà. Ouais. En fait, non, attends, ils ont vraiment développé un objet pour savoir si tu vas crever des dégâts de chute, frérot? Non, mais historiquement, c'est un item que tu dois lancer pour trouver un chemin invisible qui flotte dans les airs. En fait, il y a dans Dark Souls 1, t'avais les mêmes items. Oh, tiens, en parlant de ça, excuse-moi. Ouais. Tu vois, il y a des traînées de trucs de trucs dorés avec un son, tu sais, qui fait gling 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 comme ça. Ouais. Bah, c'est la suite de la quête. Ah non, avec un son. Quoi? Ouais, ouais, tu sais, comme les boules là, de Luciole, là, tu sais. Sauf que c'est invisible, oui. Tu vois juste la traînée par terre. Les gens, ils me disaient de taper. Oui, je comprends rien, moi. Ouais. Non, mais il y en a un seul, c'est à Khalid, non? Non, il y en a deux. J'en ai vu un y autre. Y en a deux, c'est où? J'en sais, je m'en souviens plus, frérot. Mais comment je fais? Oui, en fait, tu te mets sur le chemin, bien en face de la ligne. En fait, son pattern, il dure genre 15 secondes ou 20 secondes, c'est assez long. Ouais. Tu te mets bien sur la ligne, sur une ligne droite éventuellement, pour que tu aies le temps de le voir arriver. Il faut attaquer frame perfect, parce qu'il passe au travers de toi, en fait. Ah, faut attaquer comme si le mec était visible, quoi. Ouais, ouais, en fait, t'imagines ses pieds. Mais dis-toi, il y a un peu de latence, c'est-à-dire que les pieds, ils s'affichent en retard par rapport au pattern. Donc en fait, faut pas que tu tapes quand tu vois les pieds un peu devant toi. Faut que tu tapes quand tu vois les pieds beaucoup devant toi, tu vois. Ouais, ouais, ok. Avec une arme qui a de la range. Et ça va le one-shot, ouais. Ok, ok. Et apparemment, il y en a beaucoup plus que deux, mais j'en ai vu qu'un, moi. Et ça donne quoi? Bah, c'est comme les. Tu sais, c'est comme les. Les lucioles, du coup. En fait, c'est comme les. Ouais, c'est des runes centres de guerre et tout, des trucs comme ça. Ok. Et donc, toi, tu. Quoi? Tu kiffes le jeu pour l'instant, quand même? Bah, ouais, sinon, j'aurais pas 40 heures dessus, quoi. Et les autres, Squeezie et tout? Ah, ouais, ouais, bah, mec, on est tous addicts. Tous addicts. Tous addicts. Mais moi, là, j'ai fait 21 heures de live dessus, mec. Les gens, ils disaient. Hé hé, Sardoche 2. Mec, c'est dès que tu dépasses 10 heures de live en France, frérot, t'es sardoche. C'est ouf, hein. T'as quand même créé un. Franchement, c'est énervant. Ça m'énerve. Non, ça devrait pas t'énerver, frérot. Tu devrais être fier, mec. Ouais, je préfère être à ma place, tu vois, qu'à la vôtre. mais non, on s'en fout. Mec, faut savoir mettre son ego de côté et accepter voilà, que voilà, t'es meilleur que nous. Hein. C'est bon, tiens. Ok, bon, bah écoute. Ok, Lucas, tu veux faire un truc, me dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Et toi, tu joues pas en multi, tu fais rien sur ce jeu? Bah, en fait, si t'invoques des gens et tout, ça nique un peu les boss, je trouve. Donc j'ai un peu de mal. Ouais, je suis d'accord. Ok, en fait, bah. En fait, c'est vraiment le mode facile du jeu, c'est le multijoueur. C'est pas vraiment le ouais, jeu. Ouais, hein. Bah, ouais, t'inquiète, hein. Moi, j'ai farmé des sous comme ça au début, et après, j'ai trouvé des meilleures méthodes, et encore plus de meilleures méthodes. Tu vois, les gobelins qui donnent 1000 d'XP là? Ah ouais. J'étais en train de farmer eux là. Ouais, ok. Franchement, mec, explorer les zones. Ramasser toutes les runes, c'est largement le plus efficace, hein. Enfin, ça va trop vite. Ah frérot, y a rien de plus efficace que d'aller dans la game d'un viewer et prendre 80 000 XP en 2 minutes. Hein. Mais c'est même pas partagé, genre. Si, c'est partagé. Si, ah, si. C'est 40 000 et 40 000. Non, mais je veux dire, non, c'est non. 40 000, 40 000. Non, le viewer prend 80, toi tu prends 80, et si on est 3, ah, tout le monde prend 80.
C'est incroyable. C'est incroyable, mec. Et c'est deux minutes avec des armes saignantes. Mais même encore moins que ça. Et je mec, il y a une autre technique, frérot, de farm de runes, si tu veux savoir. Tu vois, dans la zone rouge, tu spawns à une église. Et tu sais, genre, sur le chemin, t'as des boules qui te suivent. Ouais. Tu sais, il y a des boules qui veulent te tuer. C'est genre comme dans Indiana Jones. Et si t'esquives la boule, je crois, tu gagnes 5000 souls. Mec, j'ai trouvé un spawn avec 3000 âmes par boss, par mob. C'est des mobs qui lancent du feu, mais tu peux monter en cheval et passer derrière eux, ils font rien. Ouais, avec le rondin de bois là. Ouais, les rondins de bois. Ouais. Ah, t'as trouvé cette zone? Non, c'est la première zone de farm que tout le monde a trouvé. Et le truc, c'est mais que. Comment ils y sont allés? J'en sais rien, ils ont avancé dans le jeu comme toi. Mais mec, moi je suis arrivé par l'autre côté en tuant les gargouilles dans cette zone. Bah, je pense. J'en sais rien, enfin, moi j'ai juste vu que les spots de farm, tu vois. Ah, mais attends, mais what the fuck, on peut y arriver par un autre côté? Oh, j'ai trop les nerfs. Ok, bah oui, bah c'est la meilleure zone, je pense. Hein. Bah bof mec, le dragon c'est mieux quand même. Oui c'est sûr. Parce que du coup avec, tu sais quand tu mets une patte de lapin c'est 4005. Et okay. Ah oui. Du coup tu fais 4005, t'en tues 2, tu reset au fire, t'en tues 2, tu reset au fire. Et franchement entre faire ça et tuer le dragon de mes viewers, y'a pas de problème, je prends le dragon mais de mes viewers. Mais je vais pas te mentir, moi en tant que joueur de Dark Souls j'ai de l'XP, quand j'entends des gens me parler de farmer pour avoir les âmes et tout, je comprends pas tu vois. C'est pas un truc qui existe tu vois. Enfin en fait genre... les boss ils sont là, tu les tues, que t'aies l'XP ou pas, tu t'en fous en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le jeu il va te donner l'XP mais nécessaire pour tuer les boss suivants. Dis-toi, s'il n'y a pas de difficulté dans le jeu, c'est-à-dire en gros, tu vois, il n'y a pas de mode facile, normal et difficile, tu sais, tu choisis pas au début. Mais c'est ça la difficulté en fait, ouais. Bah ouais, du coup, la manière de compenser la difficulté c'est de farmer. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, toi, tu comprends pas ça parce que t'es un giga tryhard et frère, tu fabriques même pas des grenades, tu lances rien, mec, tu joues pur. Mec, t'as même pas mis un enchantement sur ton arme, genre, tu mets pas d'enchantement sur tes armes quand t'affrontes des boss. Bah non. Mais tu devrais, mec. Je vais faire 50 tries, je vais perdre 49 consommables. Je suis tellement du même avec toi, mec. Mais le truc, c'est que des fois. C'est pratique de me dire que je perds mes consommables. Moi aussi. Mais du coup, là, t'en as plein dans ton sac et jusqu'à la fin du jeu, t'en auras plein dans ton sac que tu utiliseras jamais. Ouais, complètement. Bah, donc utilise. Bah, ouais, mais non. Moi, je l'utilise parce que c'est stylé. Je l'utilise même pas parce que c'est. Tu vois ? Je l'utilise parce que ça fait briller ton arme, mec. Non, mais en fait, moi, je me dis que je vais avoir plus de dégâts. Et que si je voulais plus de dégâts, je farmerais, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, t'es relou un peu. Hein. Bah, c'est logique. Ouais, bah, t'es relou un peu. En fait, c'est dans la logique, tu vois. Si tu veux avoir plus de dégâts, tu farmes. Donc, pourquoi si je veux pas plus de dégâts, je dirais. Mais t'as déjà farmé, t'as les objets dans ton sac, tu les as déjà farmés. Donc tu mérites ces dégâts en plus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais je t'avoue que je l'ai utilisé un moment. J'ai utilisé un boost. Parce qu'il y a un mob, vraiment, j'arrivais pas à le tuer. Et t'es au fond d'une mine, peut-être tu l'as tué d'ailleurs. C'est un lézard gravitationnel. Ça te dit un truc ou pas? C'est un mec tout bleu, c'est un rocher. Un gros lézard sa mère, qui est ultra agressif dans une toute petite pièce. Non, j'ai pas vu. Et sa P2, il soulève tout. Et ça fait des AOE de sol de fou. Enfin, c'est incroyable. C'est un boss de mine. Et ouais, genre boss un des plus durs que j'ai combattu jusqu'à maintenant. Et ouais, ce boss là, j'étais en mode ok, il est trop tanky. Il fallait que je mette beaucoup trop d'auto-attaque pour le tuer. J'étais en mode vas-y, ça me casse les couilles. Le fight il est trop long. Et du coup, t'as fait quoi? Bah, du coup, j'ai mis un boost, mais au final, j'en avais plus. J'ai dû le tuer sans. Ok. Donc, bah, ouais. Tu devrais, c'est stylé. Tu peux, tes armes elles brillent en bleu et tout, c'est cool. Là honnêtement, mec, enfin, t'as vu comment j'ai tué le boss que tu m'as montré là? Ouais. J'ai trop de dégâts là. Beaucoup de dégâts. En fait, non mais là j'ai passé le point de non-retour, j'ai trollé en fait. J'aurais pas dû avoir autant de dégâts. Le jeu va me punir pour ça. Non mais t'inquiète, tu vas recommencer le jeu et tu vas te punir encore plus. Tu vas t'auto-flageller comme t'aimes. Je vais refaire le jeu en restant niveau 1 tout le jeu. Mais mec, tu vois le premier boss? Ouais. Bah, j'ai fini niveau 1. Ouais. Moi aussi. Mais j'ai mis 9 heures à le faire. Mais t'as réussi niveau 1 du coup? J'ai réussi niveau 1 mais en 9 heures. Ok, bah incroyable. Mais bah, deuxième fois que je joue à Dark Souls. J'ai passé 2 heures dessus, c'est énorme, hein, 2 heures. Enfin, tu vois, moi j'ai déjà combattu des mobs comme ça. Normalement, j'ai de l'expérience. Mais tout le monde est allé farmer, tu sais, pour faire ce boss. Tout le monde est allé farmer. Non, mais le fait que ce soit arrivé, ça. En fait, je pense quand t'as fini ce boss, après, t'avais des facilités que les autres avaient pas. Bien sûr. Parce que t'avais cette capacité, je pense, à voir les fenêtres. Et après, j'ai pas invoqué, j'ai rien fait. Moi, j'ai utilisé aucune facilité. Je me suis vraiment auto-flagellé comme toi. Mais là, ton seul problème, ça va être tes dégâts, mais. Le scaling du jeu est fait de telle sorte que même avec 80 dex, tu vas galérer à manger la crash. Tu vas galérer à tuer les mobs. Ils auront trop de tankiness quand même. Donc ouais. Je sais pas si mon Discord il marche là ou pas. Ouais, c'est bon, t'inquiète.
J'ai crash sur le jeu. T'es en media preview ou pas encore sur le jeu? C'est quoi media? Ah oui, ouais, je sais pas, j'ai peur de passer. Désactive ça, on m'a dit c'est bon, je l'ai désactivé hier, ça marche. Désactive ça. Pas non, apparemment ça. Attends, tu veux que je check? Bah non, mais je te fais confiance. Bah attends, laisse-moi juste lancer le jeu, je check. Si j'ai encore ma save. Normalement, je crois que oui. Hein. Et je l'ai retiré, on m'a dit que ça faisait laguer la media preview. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais... parce que moi, dès minuit, je voulais l'enlever, mais ils m'ont dit que c'était le même jeu et que ça sert à rien de l'enlever, donc... Apparemment, la media preview fait laguer, donc bon. Ça m'étonnerait pas. Si tu veux enlever les lags, mais moi, je après, pense plus que c'est sous-opti. J'ai jamais été en dessous les 60 FPS. Hein. D'ailleurs, j'ai vu un truc pour monter les FPS, mais je pense pas le faire. C'est quoi? Bah, tu as un logiciel, tu peux l'utiliser pour... Ah ouais, c'est un cheat, frérot, tu vas te faire ban. Ah ouais, c'est ça, en fait, faut désactiver anti-cheat et tout, donc j'étais un peu en mode bof, quoi. Bah après si tu joues full solo mec, moi je jouerais bien avec des mods tu vois pour les touches et tout. Tu sais pour clavier. Non pour clavier non tu peux rien faire. Ah tu peux pas changer les touches en clavier? Bah mec c'est l'enfer frère. Ils ont fait ça mec parce que ils ont juste déporté le jeu console sur PC. Bah utilise auto-hotkey sinon, comme ça tu remaps ton clavier je sais pas. Non c'est pas cette question là. La question elle est dans le genre moi j'appuie sur 1 ça sort la monture, 2 ça me fait telle potion, 3 ça me fait tel truc, tu vois il n'y a pas assez de liberté dans la configuration tu vois. Okay. Tu sais t'es obligé de passer dans le sous-menu du truc pour activer quoi. Bon j'ai enlevé le mode machin et... Bah tu me diras, écoute dès que j'arrive au gargouille je te contacte ok? Ah ouais je vais mater ça mec. Vas-y. Très fort, je vais mater ça. Vas-y mec, qui vient, merci pour la conv. Vas-y ciao ciao. Eh hey, les gars! Alors on va faire quelques dragons! Eh hey, les gars, on est très très pareil, hein! On est très pareil, hein! Mais en fait, genre, il y a un truc où j'ai l'impression que j'ai. Parce qu'il y a. J'ai l'impression de voir moi jeune, Sardoche. C'est genre, il est encore. Tu sais, genre, il est puriste, un hein, malade. C'est. Ton let's play sur Elden Ring, je suis à la fin de ton live de 21h. Mais je vois pas ton live de hier. C'est normal frérot, j'ai été trop toxique mec sur le buffering. D'ailleurs mesdames et messieurs, je vais tout de suite m'exprimer sur le buffering et les gens que j'ai à qui j'ai parlé sur le buffering hier. On va débattre la personne en question s'il vous plaît les modos. Et je suis désolé, je m'excuse. Mais fuck le buffering quand même. Je m'excuse de m'être foutu de sa gueule et même de l'avoir traité etc. Je m'excuse, on va le débattre. Mais fuck le buffering quand même, tu m'entends? Putain. Il a le même âge que moi? Non. Il a quel âge? Frérot, il a quel âge? Il a pas 31. Frérot, tu vas pas me faire croire ça. Il a 27 ans, les gars, il a pas la trentaine encore. Eh, hey, les gars, attendez de voir quand il a 30 ans. Je vous jure, les gars, je parle beaucoup sur mes 30 ans, sur les 30 ans, les gars, et tout le monde parle beaucoup. Et tout le monde dit, ouais, ça change rien. Attends. Vous êtes un sans éclat, n'est-ce pas? Bah, peu importe, si vous avez réussi à vaincre l'un d'entre eux, alors vous êtes un champion à mes yeux. Je me nomme Jérém, vieux guerrier fou et témoin pour vous servir. C'est un sujet, aimez-vous les festivals? Il est vrai que cette forteresse n'accueille que les vaincus, mais lorsque les étoiles s'alignent, nous festoierons. Nous organiserons un festival honorant la dernière bataille de la mort de Radha. Le plus puissant demi-dieu de l'éclatement d'une rue majeure. J'adore les festivals. Je n'aime pas les festivités. Qu'importe, vous verrez, les véritables guerriers se délèguent de leur gloire du festival. Vieille Iji, dites-lui ceci. C'est qui Iji, les gars? Ses épées ont toujours été un peu plus émoussées. Mais aucune d'entre elles n'a subi des effets néfastes à la purification extraverte. Les gars, c'est qui Iji? C'est qui Iji? Connard avec ton message. C'est Forgeron Géant. Vas-y.
Les gars, est-ce qu'il y a des joueurs clavier souris là? C'est quoi la touche pour la carte sur clavier, les gars? Je suis obligé d'allumer ma manette pour faire ça. J'ai... Oh, merci, les gars, putain. Il y a plein de joueurs clavier là, les gars. Vas-y, je vais aller voir IG. Je vais aller voir IG. Team clavier, mais j'avoue... Eh, Sky. Sky, frérot. Eh, Sky, je lance ton stream, frérot, ok? Genre, tu sais, la sortie de Dark Souls, de Elden Ring, là. Je lance ton stream, je vois. Quel jeu de fils de pute. Je t'entends dire, quel jeu de fils de pute. Bloqué 60 FPS, ça lag. Je sais plus de quoi d'autre. Tu peux dire un autre truc, je sais plus. Mais tu sais, genre, tout ce qu'on se plaint. On se plaint tous de la même chose. à propos de Jiren. Before taking up the banner, an expert sword so surprised. Oh no, how did I not see? I ought to retire as let me explain. As a general who stood up and so. Vas-y, raconte pas ta vie là, on y va là, j'ai envie de buter du boss. Go with blood. General Radahn, perhaps. Go with blood. Accompagner Blade sur les lieux du festival. Si le général Radahn venait à mourir, les étoiles reprendraient leur mouvement. Ça. Ok, cool ta vie. Ok, hey, chat, on a dit qu'on économisait pour mon katana. Hein. Putain, retour en arrière, s'il te plaît, retour en arrière. On va économiser pour faire... Allez, ma souris est sortie du clavier, c'est trop cool. Clic-clac. Ok. Ouais, j'ai réussi le boss d'hier, mais j'étais obligé d'invoquer, les gars. Et là, je viens de voir Sardoche le deux shot. Voilà. Voilà, voilà. C'est quoi ça? Oh, merde. Ça lag, putain, mec. T'imagines 2022, 60 FPS. Genre, c'est bon, là, on n'en peut plus de ça. Je m'excuse, t'as pris les 100 premiers. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais où là maintenant? Il faut que je baise là, non? Antichambre, place des châteaux du Lion Rouge. Skyart m'a répondu, je sais qu'il m'a répondu. Il m'a dit gros con, voilà ce qu'il m'a dit. Skyart, il m'a dit gros con. Ok les gars. Je vais baiser Rada. Êtes-vous paré que le festival commence? Tout est prêt. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Même la cinématique elle lag, allô. Oh. C'est qui? Skyart, il joue magicien, frérot. Genre, faut arrêter de parler. Faut arrêter de lui parler à Skyart. Il joue magicien, frérot. Tous les noobs, ils jouent magicien. Eh, frérot, t'abuses pas un peu là sur ton cheval, mec? Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Prop night, c'est la sky. Tu as galéré? Nah, je t'assure que non, frérot. En fait, genre, j'ai déjà regardé les fights et je t'assure que non, genre. C'est un peu une petite victime ce mec, genre vraiment genre Radahn là, je vais le bourrer quoi. Genre en fait, je vous explique, je vais faire clic-clac. Attends, j'arrive pas là parce que je peux pas taper. Mais tu fais clic-clac sur Radahn et ça fait Kodak. Hashtag Radahn. Bon, je vais où là? T'es nul en vrai, je te fume à tous les jeux. Mais t'es qui? C'est ça la question. T'es qui?
Je vais où là? Merde, putain! Chat, chat! Quel est mon objectif? Oh, ça lag! Mec, y a pas de... Je reproche le quête. J'ai même avec toi sur le buffering, même si ça me dérange moins que toi, je pense. Ah bah oui, tu joues magicien, frérot. Qu'est-ce que t'en as branlé? T'avais pas besoin de faire une roulade. Pas une seule roulade. Je vais où, là? Ferme ta gueule, connard. Y'a un mec là, genre, hey mec, les gars qui mettent les messages là, ils me saoulent de malade, tu sais. Oh merde, y'a un mec là. Y'a un loup là. Thought I might find you here. I must admit, I was a little worried. We missed that. It looks like you're still. Tu dois être au courant présent, n'est-ce pas, que les destins de Rani est maintenant en état de stase par Radan, le fléau. Si nous voulons mettre un terme à cette invasion, nous devons l'éliminer. En raison de l'entrée d'un dieu, Chalice est considéré comme le plus fort et le plus enlevable. La vie qui s'offre à nous tous, nous devons nous battre corps et âme. Ok, alors, go. Se retrouver ensemble dans la mêlée, on dirait. Bien, voyons de quoi tu es capable. Je peux le tuer? Je peux pas le tuer. Là? Là, là? Je peux pas! Putain! Non mais Radan, je vais pas appeler Sardoche pour Radan, les gars. Je vais le one-shot, Radan. Des gargouilles, ouais. You will find the field of battle past the church ahead. General Radan is there, divested of his wits and howling at the... Je peux pas les tuer, les gars, je les aurais déjà tués sinon. Il y a une porte là. J'ai combien de souls? Attendez, j'ai combien de souls? 16 000 souls! Attendez! Stop! Pause! J'ai 16 000 souls! Bah les couilles. Eh, bah les couilles, les gars! Eh, je suis un dragon, j'en ai 80 000! Allez, poussez-vous là un peu. Oh merde, j'ai une potion. Attends, j'ai une potion de mana, je suis trop con. Comment j'ouvre le menu? Échappe. Inventaire. Ah, je l'ai jamais. Je l'ai depuis longtemps celle-là et je l'ai jamais mise. Je suis trop bête. Ok. Merde. Attendez, les gars. Avant de faire ça, les gars, j'ai envie d'aller chercher le bijou. Ouais, je vais aller chercher le bijou de Sardoche. Il m'a appris qu'il y avait un bijou là, cet enfoiré. Au fort faroche. On va aller chercher le bijou, les gars. Les gars, je vais gagner 5 de stats partout, les gars. Je vais être encore plus OP. Tiens, regardez, il y a notre pote là. Jean Sardage, il arrive devant. Il fait oh, tiens, je vais pas le tuer. Ouais, c'est ça. Mais... Bah, tout quoi. Pourquoi ils ont fait des trucs qui volent? Non. V
Viens là, viens à la porte. Putain, j'ai pas l'habitude de jouer sur PC. Oh yo yo yo, mes oreilles. Putain, mais je suis déjà mort. Mais frérot, arrête avec ça. Je prends mon temps parce que j'ai vu Stardust mourir 650 fois, les gars. Après, il est mort contre des rats là-haut. Mais je suis meilleur que Sardoche, on dirait. Je vois que dalle. Comment c'est la torche là déjà? Non, pas la torche ça. Ça c'est la torche. Pour vos beaux yeux ça. Je suis un giga tchad. Attends, mais il y en a trois. Attends, je rigolais. Je rigolais, il y en a trois. Haha. Tu peux pas passer, t'es trop bête. Je sais que j'ai pris l'empoisonnement. Les gars, il faut vite qu'on trouve les trucs des remèdes d'antipoison. Ok, j'ai le médaillon, les gars. Il avait trouvé, il était là le truc qu'il a trouvé là, non? Allez, il a dû descendre là. À côté des rats. Aïe. Je suis un samouraï, moi, c'est ça la différence. Je suis pas Wolverine. Ok. Bon, à mon avis, c'est là. Non! Mais attendez, elle est où l'amulette? Laisse-moi tranquille, non! Putain de rat de mes couilles! Non! Non! Ah, non! Ah. Putain. Casse les couilles! Hey. Oh! Je suis où? Oh mon dieu! Ils veulent jouer au connard, on va jouer au connard! Ah, il est là l'objet. Faut que j'aille là. Joue au con, va jouer au con. Je comprends même pas pourquoi je le tue. Je comprends même pas pourquoi je les tue. C'est mal la taille du rat. Eh hey, frérot, il a pris mes 16 000 gemmes, t'imagines? Ça t'apprendra un rat. Les gars, hey, si vous voulez vous charrier, les gars, on a une émote directement. Hein. Donc allez-y, utilisez-la. Pardon monsieur, genre j'essaie de passer en fait.
Pardon. Je sais pas où je suis là, je vois rien. Ah, il tombe, putain. C'est ça la lunette, c'est bon, je l'ai. Mais il fait trop mal, genre. L'échelle, l'échelle. Surprise. Surprise. J'ai la lunette, les gars, j'ai la lunette. Hop là. Et c'est comme ça qu'on speedrun. Moi, je vais montrer comment speedrun. Non, je suis bloqué. J'ai oublié comment prendre ma monture. Ok, c'est E.A, c'est bon. Les gars, j'ai... Oh, les gars, oh, ça va être fou. Ça va être fou, regardez. Équipement. À la place de ce truc de merde qui augmente la vitalité. J'aime bien la vitalité, mine de rien. Grandement la vigueur, l'endurance, la force et la dextérité, mais également les débuts. Eh les gars, t'es mal la taille de la barre de vie. J'en ai rien à foutre des dégâts que je reçois, frérot, genre. Tu vois pas? Je veux que la taille de ma barre de vie, elle prenne les écrans. Ok les gars, là on va affronter Radahn. Maintenant que j'ai ça. Et merde putain. Non mais y a un gars, il me casse les couilles. Attends. Il y a un gars, il nous... Attends. Shift click. Ok, ça c'est bien. Il faut que je shift click. Est-ce que j'aurais besoin du pas? Parce qu'il m'a dit que le pas c'était bien. C'est parti les gars. Quoi les fioles? Qu'est-ce que tu veux mec? J'ai pas de fioles de plus. J'ai pas les fioles les gars. J'ai pas les fioles les gars. Je vais le baiser l'autre con là. Reste manette, c'est un enfer. Comment ça c'est un enfer? 27 000 gemmes les gars. Oh merde, attends. Y'a un blème là. J'ai 27 000 gemmes, attendez les gars. Putain mais mec, tu peux même pas cliquer sur la map, il faut que j'emmène mon truc. Étudie les incantations. Y'a pas un truc pour soigner le poison? Soigne du poison. C'est ça qu'il faut que j'aie? Mec, il faut 10 de fois. Ta fiole de mana, enlève-la. Mais non. Les gars, je suppose qu'ils jettent du feu, l'autre con, là. Je suis trop fort. Oh, transmettre le message. Believe you. If I do, have I suppose I should try to hone it? I'll ask Master Hugh. Certainly he does appear. I know he's trapped, I can tell. If I do, have I suppose I should ask Master. Vas-y là, il casse les couilles les gens là. Vas-y, je vais mettre ma tête dans séance, là ça va me faire du bien les gars. Bien sûr. Étreins-moi. Avant en boss les gars, toujours se mettre bien, au cas où si je ne reviendrai pas. Hop là. My dear, might I ask some, could you please find the owner of this dagger? Oh,
Oh! Oh! The person gave it to me. It's a very precious thing. So I would like for the original owner to have it back. I'd like you to find the It's a very precious. Then good day to you. Ça baisse ta barre de vie à d'avoir la bénédiction dans ton inventaire. Utilise-la avant le boss. Ok frérot, je vais l'utiliser maintenant. Juste avant le boss ou maintenant? Les gars. Juste avant le boss ou maintenant? Tu te prépares vachement pour un mec qui va one tap. Ouais, écoute. I refuse. I don't doubt you, but I... Ok, alors, et sans deuil, on a la foudre, renforcer une arme, on a la foutre. Pierre de Forge 3, j'en ai plein, hein. Les gars, j'ai tellement envie de trouver un katana, on l'améliore. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Tu sais, le katana, là. Clac, clic, clac, clou, clac, clou, clac, clic. Ok. Je l'utilise maintenant? Chat, tout le monde est d'accord, j'utilise maintenant? Les gars, je prends quelque chose ou pas là? Y'a rien pour moi, y'a rien pour moi. Je vais pas vendre une tenue pour moi là. Y'a pas un samouraï genre. Il me faut un samouraï dans le jeu. Putain, y'a des mecs qui m'ont dit de vendre, du coup j'ai vendu. Quel con, putain, quel con. Pourquoi je les ai écoutés? Quel con. You've received. Then, just as promised, I am known as Gideon Ofnir. As a tarnished who wishes to stand before the Elder, I am accumulating knowledge. You now belong to a select group of fellows. You'll be after more great runes now. Then, as your fellow, allow the inheritors of the great rune. We of the Round Table, Godric the Grafted, General Radahn, Praetor Rykard, Morgoth the Great, and Renal. You'll still be after more great runes. Despite being his castle, that I suspect. Despite being his castle, that I suspect you. Oh là, on piche. Regarde la dague. Ok. Les gars, je vais perdre mes runes. Autant acheter là, non? On en aura plus jamais besoin, les gars. Je vais perdre mes runes sinon. Autant acheter là, non? Je vais les perdre. Ça sert à quoi, morceau de pierre éclat? Projectile magique, on en a rien à foutre. C'est quoi ça? Saut des doigts. Non, l'éclipse lunaire, il faut de l'intel, c'est chiant. 15 000, ça me dérange pas de les perdre après si je vais à Radahn direct. 80 plus 24, c'est peut-être mieux, non? Je sais pas. Je sais pas. Allez hop. Ok, là je suis prêt à faire Radahn. Merde, j'aurais dû acheter des runes là-bas. Oh le con. J'ai beaucoup trop de petites merdes là déjà. Quel con, putain. Quel con. Champions, welcome. The stars have aligned. Chat, vous êtes prêts? The festival is nigh. General Radahn, mighty... Les gars, ok, on va faire un premier pari, les gars. Eh, ouvre la porte! On va faire un pari, les gars.
D-try. Franchement, il y a moyen que je l'ai pas en D-try. Voilà, je vous le dis tous. Before we... But now. Il y a moyen que je l'ai pas, les gars. D-try, les gars, D-try. Ouais, une prédit pour D-try, ouais. Mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, frérot. 12, je trouve ça plus honnête. Ok, vous êtes prêts, les gars? Tout le monde est prêt? Ça va être chaud, hein, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. J'installe mon cheat. J'installe mon cheat, les gars. Voilà. Je vais le baiser, les gars. Je le baise pour vous, les gars, ok? En plus, j'ai un peu l'avantage sur le fait que je sais déjà qui jette des flashs au début. Putain, enculé, va. Arrête! Il est mort, les gars! Allô? Il faut qu'il y ait des autres noobs, là! T'as pas honte? Hé, chasse-cheval, connard! Eh, à l'attaque les noobs là, ils font quoi les noobs? C'est le moment! Fumez-le, les gars, fumez-le! Je vais chercher renfort, reste à couvert! Grenade!
T'imagines le watchat? Ok, j'arrive dans le fight, les gars! Les grenades arrivent, les gars, restez à couvert. Ouf. C'est l'heure de le couper. Et on a plus renfort, ennemi à terre. Il faut que je découpe, les gars, Je coupe, merde, putain de grenade. Reste en vie, s'il te plaît, mon pigeon. Ah yeah yeah. Ah. Il faut que je finisse. Ah, les giga simples en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est qui ce mec? First try. Ouais, pas très compliqué comme boss. Hein. J'ai hâte de voir les gargouilles parce que bon, il y a un peu plus de challenge dans ce jeu. Apparemment, j'ai ruiné mon expérience. Donc, offrez vos subs, je sais pas ce que vous attendez, les gars, mais j'ai ruiné mon expérience apparemment. Ouais, c'est un jeu pour les noobs, les gars. Achetez-le. Si vous êtes pas un noob, vous allez pas galérer, quoi. Genre, je vois pas comment les noobs peuvent se plaindre sur ce jeu. Je comprends pas. C'est assez simple, en fait. Il est assez simple. Xaliax, thanks, merci mon pote. Aïe aïe aïe, first try, j'ai combien de gemmes là? J'ai 73 000 gemmes, c'est un point de compétence, ça va. Putain, il y a des loot là ici, hein. C'est bien, il me laisse loot. Putain, dire qu'il y a des gens qui galèrent ce boss, genre il est. Franchement, les gars, je vais vous dire la vérité, c'est l'un des boss les plus simples que j'ai fait de ma vie. Honnêtement, les gars. Genre, pour être honnête avec vous. Ok? Genre, je suis honnête, je sais pas, là je suis pas taquin ou quoi. Je vous dis, il est très simple. Il est très très simple. Non, les gargouilles, je sais que je vais galérer juste par le fait que je sais qu'ils sont deux. Ok? Bah, y a des trucs à ramasser ici, c'est sûr, non? Non, mais t'es maxé. Frérot, je te donne un perso maxé, tu vas puer la merde, t'inquiète, frérot. Non, je suis pas arrogant, je te dis juste, vraiment, il est claqué, hein. Genre mec, c'est un peu comme la... Tu sais, tout le monde me dit que j'allais galérer sur la magicienne, je l'ai one shot. Genre, c'est bon. Il y a un moment où je commence à comprendre à qui je m'adresse. À une belle bande de noobs. Les gars, je suis un meilleur gamer que vous, c'est pas grave. Lance de Radan, 10. C'est tout? Y'a rien à ramasser, les gars? Y'a rien à ramasser nulle part, les gars? Il est où le feu de la zone là? J'ai oublié. Tu jouer match comme ça, tu pourras channel des casques. Attends, qu'est-ce que t'as dit toi? Tu pourras channel des casques de 3 secondes et te faire cancel, c'est grave fun. Frérot, vraiment, genre, j'espère que tu trolls, hein, mec. J'espère vraiment que tu trolls, mec.
Parce que frérot, jouer magicien, frérot, il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Tu joues magicien, frérot. Oh, attends. Ah, good. What a sick way to fight. Ah, je sais, frérot, j'étais un commandant. Did you see that afterwards? C'est moi le boss. En fait, les gars, ce que vous savez pas, c'est que dans ce jeu, genre, tu crois que t'es un petit péon qui affronte des boss, mais moi, je suis un boss qui affronte des petits péons. Ouais. Ça, la différence. Let's meet where the falling star. We'll take up our swords. Let's meet where the falling star met you. We'll go into battle again. My only purpose is to fight for Rani's fate. So curtains rising. C'est un mec de Final Fantasy, lui. Est-ce que je peux le buter là? Les gars, j'ai une vision. Les gars, j'ai une vision. Personne au monde, aucun être humain sensé le buterait maintenant, lui. Tu sais? Aucun être humain sensé ne le buterait maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a aucune raison que tu viennes combattre un boss avec lui. Tu vois? Il n'y a aucune raison pourquoi tu le fumerais, tu vois? Et si je le baise? Et si je le baisais maintenant? Sauvegarde ta progression. Il y en a, il a cru que ça marchait comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là-bas? Tu peux pas save et revenir en arrière. C'est pas comme ça que ça marche. Cassium, vous êtes un véritable champion. Moi, en revanche, je ne suis qu'un vieux croulant. Un seul coup a suivi, mon fusil m'a vidé mes entrailles. Après cela, je me suis caché dans un terrain couvert. Je ne mérite donc pas de me trouver quelqu'un comme vous. Par chance, cet endroit abonde de corps de guerriers. Si je parvenais à faire entrer en moi, je serais un puissant guerrier en rien de temps. Les corps qu'on trouve ici sont d'excellente qualité. Après tout, il s'agit de guerriers ayant combattu lors de l'éclatement la plus glorieuse de toutes les guerres. Vous verrez, cher ami, je reviendrai encore plus fort. Vous verrez quand on se croisera de nouveau. Les corps qu'on trouve ici sont d'excellente qualité. Il s'agit de guerriers. Ta gueule. Les gars, il vient de me teaser qu'il y avait des corps de guerriers de très bonne qualité, les gars. Ça veut dire qu'il vient de me teaser qu'il y avait du stuff. Quelqu'un a déjà exploré ici ou pas? C'est sûr, les gars, il y a un truc. Pourquoi il me laisse dans cette zone? Les gars, ça a duré 3 minutes, Redan. Sinon, je le bute. Il est blessé là, je peux le buter. Je fais un... Oh, il y a un bateau! Eh les gars, je serai le premier, world first. World first Radan. Je pense que je suis le world first Radan qui l'a fait du premier coup, en un coup, en un try. Mec, je crois que j'ai un record, non? T'imagines, mec, le monde entier est mort sur un try et moi, j'ai fait qu'un seul try de ma vie dessus. C'est un record ça, les gars. Quand tu fais qu'un try dans une vie, c'est pas mal, hein? C'est un record. Je détiens le record. Les mages, on peut pas mourir. Mais Sky, t'es à ce moment-là cheaté, genre. Mec, tu sais quoi? J'ai envie de refaire un run juste en mage, juste pour voir un peu la gueule du jeu, quoi. C'est comme ça, acheter tes petites boules toute la journée, frérot, et à te sentir surpuissant, genre. Même Gandalf, il va mettre des coups de bâton, frérot. Même Gandalf, il est plus stylé que vous. Genre le vieillard là, le gros boomer, il va mettre des coups de bâton. Vous non. Vous envoyez des petites bouboules. Bon, je me casse d'ici. Je vais où là maintenant? Je vais là? Et plus zéro, j'ai pas de bind pour roulade. Ok frérot. Je lui donne ou pas? Est-ce que je lui donne à lui ou je peux le donner à quelqu'un d'autre, chat? Y'a que à lui que je peux le donner? J'avoue, Gandalf, il a une épée.
Je sais pas si tu es le premier à le first travail, mais ce qui est certain c'est que tu as le world record de la plus longue barre de vie pour le tuer Kappa. Et mec, juste pour le troll, j'ai envie de respé et mettre 99 en vigueur, les gars. Juste pour le troll. J'ai envie de respé et mettre 99 en vigueur, les gars. Juste pour le troll, les gars. Je tue Radon, madame. Donne un truc, oh. Si tu es Radan, fais pas ton Radan. Genre, je suis le premier à faire cette blague, t'as vu? Oh, elle est plus là, chaperon rouge. Elle est morte. Alors? Vas-y, ils me disent rien, là. Dis-moi quelque chose. Les gars, là, on se rapproche lourdement du katana, là. On est d'accord? Chat, on se rapproche du katana. I suppose she has a gift, so I told him indebted. It was all I could. I'm sorry, I doubt it. On peut voir des par dispé. Attends, dès que je cours. Dès que je sors d'ici. Donjon au fond à côté de la falaise dans la zone où t'as tué Radan. Donjon au fond à côté de la falaise. Direct. J'y vais direct. Où ça? Vers là? Tue-le. J'ai envie de le tuer, les gars. Chat, j'ai envie de le tuer, les gars. Et je vais être le premier mondial à faire ça aussi. Mais par contre, je risque fortement de baiser ma run, tu vois. J'ai envie, les gars. Eh, ok, mettez un vote. Ok, mettez un vote. Mettez un vote, les gars. Vas-y, il est où ton donjon, là? Concorde, il est où ton donjon? Concorde, on va te retrouver, on va te ban. Attendez, qui c'est qui gagne là? Tout le monde veut voir ce que ça fait, putain. Tout le monde veut voir ce que ça fait. Et vous savez qu'il n'y a qu'un seul streamer qui ferait ça, les gars. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul streamer qui ferait ça, les gars. De tuer le plus grand chevalier de tous les temps, les gars. En même temps, comment tu veux prouver que c'est moi le plus grand chevalier si je tue pas le plus grand chevalier, les gars, hein? Comment on fait? Demande à Sarah ce qu'il y a avant. Les gars, il n'y a pas de donjon, vas-y là. Putain. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Il ne veut pas mourir, il revient à chaque fois, il donne juste 3000 âmes. Menteur. Il y
Il y a un mec qui s'appelle Samurai Master 007, les gars. Il a dit, fais pas ça. Les gars, je me dois d'écouter Samurai Master 007, les gars. Je suis obligé. Le mec qui m'a dit qu'il y avait un donjon, est-ce qu'il peut, faire bannir définitivement, s'il vous plaît? On peut le bannir. Merci beaucoup, les gars. Vous pouvez le sortir, les modos. Et d'ailleurs, si vous envoyez d'autres, hein, les modos, cherchez, traquez-les, fumez-les. Je peux les voir. Bon courage à vous. Quel lâche, c'est qui le lâche? Qui le lâche? Moi? Ah ouais, t'as... Oh! Attendez les modos, attendez, bougez pas, attendez les modos. Attendez. Attendez les modos, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ouais, je crois que j'ai trouvé un truc. Ok, faites rien les modos, c'est bon. Stand by les modos, stand by. T'as combien de vigueur? J'ai 40 de vigueur. Les gars, si vous voulez rejoindre ma game ici là, mettez votre plaque par terre là. On va faire le donjon ensemble. Mettez votre plaque par terre, les gars. Et le mot de passe, c'est cool, ok? Ok les gars. Mettez votre plaque par terre là et je vous groupe, ok? Monte la map. Comment ça monte la map? Soit t'as le feu, soit t'as pas le feu, frérot. T'as le feu, on y va. T'as pas le feu, on y va pas. Ah oui, active le kill pour le coop. Je suis con, moi aussi. Merci, frérot. Allez, faites voir. Y'a personne. Allô, les stream hackers, vous êtes où, là? Putain. Je vous montre où c'est sur la map. C'est là, tout en haut à droite. Allô? Mais vas-y, ils sont pas drôles ces stream hackers. C'est loin. Non mais tu peux pas y aller si t'as pas tué Radan, donc Ah mais vous êtes tous des noobs, forcément, y'a personne qui a tué Radan, quoi. Forcément. Eh, regardez, vous avez vu les gars? Ça, c'est la preuve que personne n'a vaincu Radan, les gars. Je suis dans le top world. Vous avez vu ça? Il n'y a même pas un stream hacker qui peut se téléporter au feu là, ici. Et hop, mettre sa bannière. Dingue, hein? 2 secondes, c'est long de rejoindre. C'est ça, ouais, c'est ça. Ta part de vie, elle est trop... Elle est top world. C'est ça, c'est... Hey, frérot. Hey, les gars, je vous jure, continuez à parler de ma barre de vie. Continuez à parler de ma barre de vie, les gars. Vous savez ce qui va se passer? Je vais aller respé, je vais mettre... Eh, les gars, je rigole, 0. Je vais respé et je vais mettre 99 de vigueur. Les gars, continuez à parler de ma barre de vie, les gars. Si je mets 99 de vigueur, je pense que ma barre de vie est littéralement prendra littéralement tout mon... Regarde. Là, je pense que... Attendez. 2 secondes. Je vais devoir faire venir quelqu'un là pour ça. Eh, Meliokir, viens là. Merci beaucoup, frérot. Merci.
Oh, il est stylé, lui! Oh là là, c'est une faille! Toi, je t'arrête direct après, tu vois après? Toi, la tête de loup. T'as une tête de loup. Bon, tu rejoins ou pas, là? Maeve, vas-y. Allez, c'est parti, on y va. Allez, Streamer Squad, on y va. Go, 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 Streamer Squad, go. Y'a un magicien là. What the fuck? Au secours! La Streamer Squad, au secours! Suivez-les là, je vous vire! Incroyable ton skill, elle n'en fait pas trop. Continuez à vous battre, les gars, continuez à vous battre! Je suis en train de loot! Continuez à vous battre, les gars, je loot! Ah, on a perdu un deux crochus! S'il y a quelqu'un d'autre ici, je vais mettre la... Je vais aller chercher un autre stream hacker, les gars! Jupiter était trop nul, apparemment! Je vais chercher un autre stream hacker! Mettez vos bannières, les gars, mettez vos bannières! Eh hey, les gars! Excusez-moi, il y a encore la voix, putain! Je suis un amateur du streaming, qu'est-ce que je vous dise? C'est un amateur du streaming, qu'est-ce que je vous dise? On y va. C'est qui ça? Mais joue! Va au combat! Elle est où la manivelle, les gars? Elle est où la manivelle? Non! Remettez vos putains de bannières, les gars. Remettez vos bannières. J'avais pas vu ma vie, les gars. J'avais pas vu ma vie. Remettez vos bannières, les gars. On fait un raid, les gars. On fait un raid. Les gars, je rends le jeu divertissant. On fait un raid. Merde, j'ai pas assez de vie. Les gars, j'étais empoisonné, j'ai pas eu de chance. Bon, on y va, les gars. Je récupère mes souls. Je récupère mes souls. En fait, c'est relou parce que dès qu'on combat en bas, on se fait empoisonner, quoi. Mais what the fuck, j'ai pris une vieille grenade. Il me touche, il m'a même pas frappé. Fumez-le. Oh putain. J'ai peur. Courage, courage, je vais looter. Courage, je suis parti looter. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Non mais il est trop fort, il est trop fort. Ils sont trop forts, genre. C'est quoi ce donjon là? Ils sont trop forts. Renfort, renforce ma position. Il nous faut la manivelle. J'ai besoin de renforcer sur ma position. Oh merde, je me prends des embuscadés.
Allô? Non! Mais Souls! 14 000! Eh les gars, il me faut des renforts sur ma position là. Tape avec la barre de vie! Les gars, il me faut des vrais renforts là. C'est quoi ces renforts en ton car là? Pourquoi on fight? Fais du vrai renfort là! Ils ont tous tué Radahn, c'est nul là. Je prends un mec qui j'ai... Oh, lui, il a l'air pas mal. Nul. C'est bon, les gens comme ça avec ce costume. Nul. Je prends de lui, là. Je prends de lui, les gars. Les gars, je vous explique, ok? Les streamhackers, je vous explique. Il faut me suivre, ok? Vous me suivez, les gars. Et on passe à l'action. Et merde, putain. C'était quoi? C'était... Ah non, c'est quoi? C'est quoi en bas? X. Okay. Vous me suivez les gars et on va activer le levier, d'accord? Oh non, j'ai pris Jupiter, il est nul. Saute dans le vide, Jupiter. Saute dans le vide, Jupiter. Saute dans le vide, s'il te plaît. Saute dans le vide. C'est soit ça ou soit je te kick. Fais-nous tous, rendons-nous tous service, Jupiter. Posez vos marques, les gars, posez vos marques. Posez vos marques, les gars. Posez vos marques. Inao. Alors, on va essayer Inao. Eh, Cut, t'as l'air nul, toi aussi. Fais gaffe. Agvedo, 14 mois. Merci, Blox, pour les 2 mois. Merci, Rayric, pour les 4 mois. Merci, MV. Merci, les gars. Ok, là on a Inao, les gars, tête de champignon. Non, mais attends, j'ai groupé un magicien. Mais t'es qui, toi? Ok, les gars, venez, suivez-moi. On y va, les gars. Suivez-moi, on va droit au levier, les gars, ok? Il faut activer le levier, il faut pas se faire de bait. On y va, soldats, on y va. On y va, les gars, on y va. Restez à couvert. Pause endurance. Ah, j'ai pas vu, les gars, j'ai pas vu, fallait me dire. Grenade. Avancez, les gars, on y va, avancez. Il faut que je récupère mes souls. Mes souls, les gars, mes souls en prio. C'est bien ça. Mes souls, cover. Lâchez pas la ligne. Vous arrêtez pas, les gars. Cover. Je suis touché. Il y a mes souls en vue. Ah. On a perdu un homme. Ils sont trop solides. Prends l'aggro. Y'a rien ici. J'ai perdu un homme. Non. Il me faut plus de doigts crochus, les gars. Il me faut plus de renforts. J'arrive à l'entrée. Il nous faut des renforts. Y'a un boss sur moi. Ah. J'ai la manivelle, les gars. J'arrive à l'entrée, il faut plus de droits crochus. Jupiter, eh les gars, non. Eh, j'ai envie de pousser Noobs là. Ils sont tous sur one chat. Posez vos marques, les gars, on va affronter le boss. C'est qui ça? Oh, je t'ai jamais vu, toi. Cheese. Ça, je t'ai déjà vu. Déjà vu. Tête de champignon. Non, ça marchera pas. Toi, t'as pas marché non plus. Eh, hey, écartez vos putains de marques, les gars! Vous voyez pas qu'ils sont buggés là? Je vois rien!
CH. Vas-y, je t'ai jamais eu CH. Ok les gars, on va affronter le boss, on va affronter le boss. Ok les gars, on est en donjon. Full vigueur. Barre de long, barre de vie plus longue que celle des boss. Ok les gars, je vous explique. On va aller affronter le boss, ok? On y va. Je sais pas où il est, je sais pas où la porte elle s'ouvre. Je sais pas où elle s'ouvre. Je crois qu'elle est devant, je crois que c'est devant. Ok, porte ouverte, porte ouverte. Ok, go go go, allez-y, allez-y, go 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 go. Allez-y, go go. On y va les gars. Oh merde! Pas ça! Oh mon dieu, oh mon dieu. Cover, cover, cover! Cover, cover! La cover! Ah! Eh les gars, eh, c'est encore ce boss de merde, putain. C'est, eh les gars, je pense que ça c'est giga endgame. Ok, posez vos plaques les gars, on y va. Je pense que c'est giga endgame ça les gars. J'ai pas de cover les gars. Je sais pas si t'étais bon du coup, CH. Je reprends tête de champignon les gars. Lui son arme elle a l'air giga bien lui. Lui son arme elle a l'air bien les gars. Invite Sardoche. Bah mec, s'il veut poser sa plaque, il peut poser sa plaque, le mot de passe c'est cool. Moi je suis chaud mais je pense pas qu'il serait chaud. Dernier essai et si ça marche pas les gars, je prends Sardoche. On y va les gars, allez. Le boss de Scoozy en 10 try. J'ai fait en 3 try je crois, 3-4 try. J'ai déjà fait. Faut trouver des magiciens. Eh, hey, y'a pas des magiciens là? Allez, go, 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 on y va les gars. Squad, on y va. Il me faut mes souls. J'ai mes souls, c'est bon. Prenez l'aggro les gars, prenez l'aggro. Pourquoi j'ai l'aggro? Oh, si, c'était nul. Tenez la position les gars, tenez la position. Tenez la position. CH il est chaud, CH il est chaud, regardez. CH il est chaud, allez vas-y CH, montre-leur. Fume-le, vas-y j'arrive. Coupe-le en deux. Putain mais je fais 10 fois plus de dégâts qu'eux quoi. Par contre il a esquivé. J'arrive, CH! Ah! Je vais le découper! Mais frérot, j'arrive pas! What the fuck, frérot? Il m'a mis un coup de tête. Qu'est-ce qu'il est bugué ce boss. Grenade. Il est bon CH les gars, il est bon. Il est bon CH les gars. CH il est bon les gars mais il fait zéro dégâts. Grenade. Oh il est bon, oh il est bon, oh il est bon CH. Il est bon. Ah il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon.
Putain, il est chaud ce boss. Hey les gars, il est giga chaud le boss là, c'est quoi ce bordel? Bon alors, vas-y. les gars, j'ai envie d'inviter Sardoche là. Vas-y, il a dit non. Il est occupé. Vas-y. Les gars, posez vos bannières, on y va, round 2.